Kimba pour son grand retour ce soir et seulement 18,2 sans lui. Eh oui. C'est une statistique qui est forte, hein, que ouais, nous avançons c'est là. C'est une stat qui prouve que Chancel Mbemba est un cadre de la défense marseillaise. Et qui va porter chance ce soir. Et puis la dernière statistique, 4, c'est quoi ? Eric Roy, notre adversaire, hein, le coach, qui a perdu 4 de ses 6 matchs disputés contre l'OM dans sa carrière d'entraîneur. Très bien, on espère que ce sera le cinquième ce soir. Avons-nous le temps, oui, avant le coup d'envoi dans 3 minutes, d'écouter Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain de l'OM, qui nous a parlé de ce fameux problème de mental dans cette équipe. Mignana passe selon lui, puis surtout, pas le temps de se prendre la tête. Hein. Ce soir, il faut gagner. Hein. On n'a pas le temps de rester sur un match, sur une prestation, sur un résultat qui nous a plu ou déplu. Les matchs s'enchaînent, les compétitions s'alternent. On est bien conscient que c'est un match important, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut pas surjouer. Il faut être conscient de nos réalités, comme je dis. Connaître nos points faibles, nos points forts et les travailler. Il y a que ça qui va nous permettre d'avoir des résultats. Le reste, comme on dit, c'est de la littérature. Le plus important, c'est le terrain et savoir quel est le chemin qu'on doit emprunter pour essayer d'engranger le maximum de victoires. 100% OM, le direct live. Dans un instant, au coup de sifflet, vous pourrez nous appeler sur France Bleu Provence pour le concours des pronostics. Il y aura 2 places à gagner pour le match à domicile. Et le prochain domicile, c'est bien sûr le match retour des 16e de finale. Donc, face au Shakhtar Donetsk, à ne pas rater, jeudi soir, ce sera en direct intégral sur France Bleu Provence. Nous sommes à 3 minutes du coup d'envoi. Fabien Laurenti, qui scrute toutes les images de ce match. Pour les commentaires, évidemment, Bruno Blanza. Où en sommes-nous au niveau de l'ambiance ? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, c'est comme s'il y avait le virage de paix, le virage nord de fermé. Hein, oui. Pour, il n'y a pas qu'à l'OM qu'on est sanctionné. Les fumigènes, des ultras. Exactement, Lolo. C'est leur deuxième match d'ailleurs avec la tribune fermée. Derrière les buts de l'OM, là probablement en cette première période, avec finalement un changement de côté. Voilà. Donc les supporters de l'OM, ils vont avoir leur favori juste derrière eux pour ce début de rencontre. L'OM qui va jouer avec sa tenue bleue extérieure. Tu vas me dire si je me trompe, mon Fabien, mais comme à Lyon il y a 2 semaines, hein, je crois bien. C'est ça. C'était exactement ce maillot-là. J'ai une petite question aussi, Bruno. Vas-y, mon Lolo. Vas-y. C'est sur l'arbitrage ce soir. Est-ce que l'OM peut voir rouge ? Parce que c'est un élément important. Ah, alors figurez-vous qu'il est dans le même hôtel que nous, l'arbitre. C'est rigolo. J'ai pas le temps de tchatcher avec lui quand on est parti tout à l'heure. Rudy Buquet, qui est plutôt un arbitre qui porte chance à l'OM. Je crois bien qu'il y a une seule défaite sauf qu'il a distribué 6-7 derniers matchs. Sauf qu'il a distribué. Merci encore une fois, Mister Stat. C'est très précieux tout ce qu'il nous envoie. Ah, Paolo Lopez. Non, c'est lui qui a distribué, Rudy Buquet, le plus de cartons rouges à l'Olympique de Marseille. 7. Ah oui. Quand même. Oui, hein. Mais après, ça dépend du nombre de matchs arbitrés et tout ça. Mais c'est lui qui a sorti, par exemple, Paolo Lopez. Il ne pourra pas le sortir ce soir. Le match à Nice, souvenez-vous, cette saison-là. Ça avait fini à 1-0. Et il avait expulsé Paolo Lopez à quoi ? 10 minutes de la fin. Et l'OM, il y avait encore 0-0. Non, c'était Balerdi, pardon. Balerdi. Juste avant de prendre le but. Voilà, c'est ça. Et Paolo Lopez avait pris le but derrière. Voilà. Mais Paolo Lopez s'était blessé. Il y avait une histoire comme ça, de mémoire. Voilà. Allez, le coup d'envoi à l'instant. Ah. Justement, donné par l'homme en noir. Pour le moment, c'est bon. Il y a 0-0, les amis. On est bien. Il faut conserver le score. Conservons le score. Exactement, avec un coup d'envoi en faveur de l'Olympique de Marseille, hein, et déjà cette volonté de mettre le ballon chez l'adversaire. Donc je vous confirme bien, c'est Eliman Ndiaye sur le côté gauche de l'attaque, Ismail Assar sur le côté droit. Donc on joue avec les bons pieds des bons côtés, hein, pour Ismail Assar le droitier, Eliman Ndiaye qui lui peut aussi jouer un petit peu des deux. Mais voilà, le pressing tout de suite de Mumbanya, c'est pas mal joué là. Au pied de la tribune justement, où il y a des gains, aucun supporter. Donc vous allez beaucoup beaucoup bien jouer de la part de Jean Nana, beaucoup entendre les supporters de l'OM là. Sur le côté gauche, Mumbanya dans la surface, il a voulu talonner pour Eliman Ndiaye. Et au duel là, ouais, le duel entre Balerdi et Steve Mounier, duel de costaud, et la faute, Mounier qui apparemment met son coude dans le visage de Léo Balerdi. Chancel Mbemba, captain ce soir, qui vient aux nouvelles. Alors ça ne fait que 54 secondes que le coup d'envoi est donné, mais déjà l'OM met la pression sur l'adversaire, mon Fabien, ce que l'on préfère bien évidemment, hein. Ah mais c'est clair, ça fait du bien un petit peu de voir ces Marseillais, on va dire, entreprenants en ce début de match. Après, attention, toujours bien garder
l'équilibre d'équipe, parce qu'on sait que cette équipe de Brest se projette très très vite vers l'avant. Il y a des joueurs sur les côtés qui vont extrêmement vite, mais ça fait du bien, c'est bien de voir déjà les bonnes intentions des joueurs marseillais. 04 42 38 08 08, coup d'envoi en direct intégral sur France Bleu Provence. Vous n'allez rien manquer de ce dernier choc de ce championnat de France de Ligue 1 de ce week-end. Et c'est parti pour le concours des pronostics. Je rappelle que nous mettons deux places en jeu. Il suffit de faire son pronostic pendant toute la première mi-temps, de nous passer un petit coup de fil. 04 42 38 08 08. Et nous vous offrirons donc cette semaine les deux places. Allez, faites votre jeu sur France Bleu Provence. Oula, il se passe quelque chose, on revient du côté de Brest. 100% OM, le direct live. Bruno Blanza, Fabien Laurenti. Avec l'arbitre à qui le public demandait ici de siffler une faute. Et je vous le disais, les joueurs de l'OM qui attaquent vers la tribune qui est vide là. Mais attention, réaction des Bretons au cours de ces trois premières minutes avec Lilian Brassier et le public local qui se régale hein, cette saison avec Loco sur le côté gauche, Bradley Loco l'arrière latéral qui est en concurrence avec un certain Jordan Amavi hein, prêté par l'OM à Brest, mais depuis qu'il est arrivé il n'a pas joué une minute, il est blessé actuellement, il se soigne d'ailleurs à Clairefontaine. Jordan Amavi, le natif du Var de Toulon qui a grandi dans le quartier Bon rencontre, pas loin du stade du Sporting Club Toulonnais. La tête de Chancel Mbemba là-bas, qui est de retour au sein de cette défense. En l'absence de Gigot, c'est lui qui est associé à Léo Balerdi ce soir. Et ensuite, avec le brassard de capitaine, Kondogbia n'est pas titulaire. Aubameyang n'est pas titulaire. On vous l'a dit, 6 changements par rapport au match de jeudi en Ligue Europe. Et les joueurs qui sont dans la surface de réparation, une première parade de Ruben Blanco qui prend ce ballon en deux temps. Le gardien de l'OM, cette frappe du gauche là-bas, on l'a laissé trop faire et trop facilement armé. Le jeune Doumbia, le Malien là, Onana, s'est mis en opposition. Mais on les laisse un petit peu emballer cette rencontre là, les Bretons de Brest. Ouais, ouais, il va falloir être beaucoup plus proche. Et en marquage, côté marseillais, c'est effectivement Doumbia là qui a la trop de facilité pour frapper. Et heureusement, Blanco s'interpose et ça va y faire du bien aussi à Blanco de toucher ce premier ballon, ce premier arrêt, ça va mettre en confiance tout le monde. Avec une touche longue là qui va être jouée par Kenny Lala, c'est pour cette formation de Brest dans la surface de réparation de l'OM. Steve Mounier qui dévie et ensuite il y a Jean Onana pour la sortir cette balle au pressing, peut-être Illiman Ndiaye qui va malheureusement faire la touche de trop et c'est perdu à 40 mètres début de l'OM, récupéré par Pierre Lesmelou sur le côté droit. Le centre est bon, la tête d'Mbemba à Mounier. Oh, la claquette exceptionnelle de Ruben Blanco qui évite à l'OM d'être remené à zéro face probablement au meilleur joueur de tête de tout le championnat, Steve Mounier. Son 1m90, la tête elle est magnifique. Et Ruben Blanco qui se détend, il est un peu en arrière en train de reculer. Et la claquette de la main droite pour mettre ce ballon au corner. Je pèse mes mots, c'est exceptionnel mon Fabien. Ouais, super barré de Blanco. Alors même si le ballon est un petit peu sur lui, mais il y a la rapidité du geste là de Blanco. Il claque ce ballon hein, au-dessus de la barre transversale. Mais on a eu chaud, hein, côté marseillais. Ah, exactement, on laisse trop facilement centrer sur le corner, c'est dégagé en deux temps. Et attention, Klaus qui nous fait une cagade dans la surface de réparation. Magnetti, le centre au deuxième poteau, il y a des maillots rouges. La reprise de volée, elle est totalement dévissée, heureusement. Ça fait toujours 0-0, mais on est en train de prendre la tempête ici à Brest, côté OM. En train de prendre la tempête, mais avec notre petit parapluie ouvert. Ça veut dire qu'on est à peine mouillé, et que nos filets n'ont pas tremblé. Mais ouais, quelle tête de Steve Mounier. Très honnêtement, sur un centre un peu anodin, il est au duel. Et quand on voit qu'il arrive, le Béninois, à prendre le meilleur sur son défenseur, ouais, de la tête, il est vraiment très très bon, irrésistible. Lui qui a déjà mis 3 buts en championnat, et ils remettent... le couvert là, les Bretons, avec Hugo Magnetti qui récupère ce ballon assez haut à 30 mètres début olympien, lui le natif de Marseille, avec Jean Onana pour la récupérer, pour tenter de repartir. Le tacle, il laisse jouer Monsieur Buquet, c'est récupéré par les Tizef comme on les surnomme affectueusement ici. Et bien joué le pressing d'Amin Harit face à Lismelou. Ah, il est passé Amin Harit, il va récupérer la touche sur le côté gauche. Voilà, il y a Onana qui lui dit calme. Voilà, mais en tous les cas, c'est parti sur un superbe rythme. Là, 6 minutes, tout juste. Et la touche pour Ulysse Garcia. 0-0 dans ce match entre Brest et l'Olympique de Marseille ici en Bretagne. La pelouse, je vous en dis un mot, je suis allé la tâter tout à l'heure. Elle est légèrement humide.
et elle est assez souple, elle n'est pas trop dure. Il a pas mal plu ce matin notamment ici, mais voilà, une belle aire de jeu. Je trouvais qu'elle était un peu haute, même si vous savez qu'il y a des normes pour tondre les pelouses de Ligue 1, il faut respecter eh bien une certaine hauteur, mais j'avais l'impression qu'elle était un petit peu épaisse. Chancel Mbemba côté droit avec sur la ligne médiane Jonathan Clauss pour tenter de trouver Ounahi. Il a Ismaïla Sarr devant. Ounahi qui est pressé par 2-3 joueurs de Brest, il est obligé de reculer, de repasser avec bien joué Clauss et Jean Onana, mais on s'enferme un petit peu. Voilà, Jonathan Clauss qui repasse sur Léo Balerdi, c'est pas mal joué hein. Les Olympiens sont dans leur début de rencontre, c'est assez intéressant. Et la passe de Léo Balerdi, elle est manquée. Oh, superbe, Léo Balerdi qui revient bien, qui évite de se faire prendre un petit pont et qui s'est bien replié avec pour le moment Jean Onana. Aussi c'est une confirmation parce qu'il a joué à plusieurs postes, Fabien, hein, Jean Onana. Oui. Nous on le préfère en numéro 6 vraiment, c'est-à-dire juste devant la défense, et là c'est le cas ce soir, parce que des fois c'est arrivé que Gennaro Gattuso le fasse jouer un cran plus haut en mettant Ounahi en milieu de terrain récupérateur, qui n'a pas forcément le gabarit pour ça, même s'il court énormément. Mais Jean Onana c'est beaucoup plus costaud hein. Il mesure 1m89 hein, Onana hein. Donc ouais, au duel oui. On le voit, c'est beaucoup plus intéressant et solide qu'on a eu forcément. Effectivement, non, moi aussi je le préfère à ce poste-là. Il récupère beaucoup plus de ballons, il est beaucoup plus utile que Ounahi. Ounahi, je le préfère un cran plus haut. Effectivement, c'est vrai que le dernier match de l'OM, notamment en Coupe d'Europe, on avait vu Ounahi un cran, en jouant numéro 6, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Allez, le retour là. Bien joué d'Ismaïla Sarr, parce qu'il y a Romain Del Castillo qui était parti en dribble sur le côté droit. Allez Ounahi, pourquoi il ne lance pas Clauss là? Il fait encore les touches de trop, Asdin Ounahi, c'est dingue. Et il se fait chipper le ballon, en plus il est au sol. Que dit l'arbitre? Avantage. J'ai l'impression qu'il a oublié son sifflet, hein, monsieur Buquet. Allez, ça va quand même atterrir. Ça fait deux fois que sur le côté là-bas, il a des possibilités pour lancer en profondeur. Et il ne le fait pas malheureusement, le milieu de terrain marocain de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ils sont deux avec bien évidemment Amin Harit. Mais il doit lâcher plus vite, Fabien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça fait deux fois que le long de la ligne là-bas. Et d'ailleurs, il le dit, Ounahi, je le vois là. Il est en train de dire à Moumbagna, viens décrocher. Mais pourquoi ne lance-t-il pas lui en profondeur? Parce qu'il a Sarr devant, il a Moumbagna qui vont vite. Deux joueurs qui vont vite. Ouais, ben c'est ce qu'on lui reproche un petit peu, hein, Asdin Ounahi, ces derniers temps. C'est de ralentir un petit peu le jeu. Effectivement, quand il a la solution devant lui, ben, il met toujours le pied sur le ballon. Il casse un petit peu les actions, et c'est vrai que c'est un petit peu pénible, parce que ce qu'on lui demande justement c'est d'aller vers l'avant, essayer de casser ses lignes, et c'est vrai qu'il le fait pas souvent. Allez, une nouvelle fois peut-être l'OM à l'attaque là, justement Asdin Ounahi qui lui en fait des kilomètres par match. Il est à hauteur du rond central là. Il dévie pour Chancel Mbemba sur le côté droit, et les supporters que vous entendez derrière moi sont vraiment les supporters de l'OM hein, parce que les ultras bretons ne sont pas là. Et donc ce sont bien les 550 supporters de l'OM, les Winners, les Ultras, les MTP, les Fanatiques, les Dodgers, et même le club des amis de l'OM. Là, je vois les énormes drapeaux, notamment des MTP, du CU84, des Winners, c'est là. Et c'est beau, hein, parce qu'ils étaient plus de 1500 à Hambourg jeudi, assez loin d'ici. Et trois jours après... On dit qu'il y a de la fatigue des fois chez les joueurs, tout ça, mais chez les supporters, quand on se paye le déplacement en car ou en blabla car ou en je ne sais quoi, certains en avion aussi, il faut remettre le couvert hein, quelques jours plus tard. Hein. C'est pas simple non plus. C'est clair, et puis les supporters n'ont pas la même récupération que les joueurs hein, aussi. Donc, non, ils ont le droit à la bière. Comme tu dis, ils ont le droit Bruno, à la bière pour certains. Et, ouais. Exactement. Oh, mais il n'y a pas les massages, il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a pas la cryothérapie, il n'y a pas tous ces petits trucs-là. Il y a un peu de dodo. Mais c'est cool de les voir aussi nombreux, et surtout c'est cool de les voir en déplacement. Parce que très honnêtement, il y a un mois et demi, fin décembre, quand on voyait le ministère de l'Intérieur interdire tous les déplacements des supporters de l'OM, on se disait purée, mais comment ça va terminer tout ça? Et finalement, ils sont là. D'ailleurs, eux n'y croyaient pas. Hein. Eux n'y croyaient pas à se déplacer autant en 2024. Et finalement, tout est revenu dans l'ordre. Et ça, c'est bien. Après, il faut rester d'équerre, notamment du côté des supporters de l'OM, lorsqu'on se déplace. Allez, le coup franc pour les Marseillais. Avec la faute de Kenny Lala. Le pied haut, l'arbitre, ça le fait râler. Mais il fait faute. Hein. Il fait faute sur Ulysse Garcia, il n'y a rien à dire. Ah ben complètement, il met le pied sur l'épaule. S'il n'y a pas faute et là. Il prend un carton en plus. Bah, bien là, sûr, là. Heureusement. Ah ouais. Il y va avec la semelle sur l'épaule là, de Garcia. Il peut même lui
lui mettre le pied dans la tête, limite. Donc effectivement, c'est un carton jaune justifié. Attention, parce qu'il est rappelé là. Il est rappelé. Les applaudissements, ouais. Ça plaît pas trop aux arbitres en général, hein, quand les joueurs applaudissent. Ah, je l'ai pas vu, c'est lui une qui décision. Un peu, ouais, ouais. Ouais, il est en train de lui dire ça. Il est en train de lui dire oui. La prochaine fois, c'est dehors. Oui. Voilà. Ils aiment pas on trop voit ça. Bien Kenny Lala. Les arbitres. Pourtant, c'est un joueur expérimenté. Hein. Il doit y avoir plus de 200 matchs en Ligue 1 pour lui. Et là, ouais. Ah, mais tant mieux pour l'OM, hein, parce qu'il va défendre sur le côté d'Iliman Ndiaye. Il a pris 12 minutes, il a déjà un carton jaune. Hein. Kenny Lala, le coup franc pour l'OM. Amin Harit, le long de la ligne à gauche, là, devant le banc et devant Gennaro Gattuso. Il a joué plein axe avec Unai, qui veut rejouer pour Amin Harit, c'est derrière. Ah là là, ça sert à rien. Il s'excuse, Unai, mais. Ah purée, quand on n'arrive pas à faire ça, mon Fabien, alors que tous les grands sont montés, qu'on se dit il faut la mettre dedans. Il faut frapper ces coups francs là. Moi je comprends pas qu'on joue ces coups francs à deux là comme ça. Il y a tout le monde qui monte. Il faut essayer de mettre un bon ballon dans la surface. Et puis il peut se passer tellement de choses, oui. Même si c'est pas un Marseillais. Mais mettez-moi ces ballons devant le but. On va pas marquer en faisant ça quoi. Et Gattuso, il est fou de rage. Ben exactement, et puis n'oublions pas que, alors que Moumbagna y va là, n'oublions pas, voilà, parce que là ça se déchire quasiment derrière, ils ont un peu de réussite et ils arrivent à s'en sortir là, mais n'oublions pas que dans les buts, c'est le gardien remplaçant, hein. Exactement. Et c'est pas comme Ruben Blanco, c'est un jeune gardien, Grégoire Coudert pour la première fois titulaire en Ligue 1, il a joué une minute lors du dernier match en championnat, après l'expulsion du gardien titulaire, voilà, bien joué de la part de Ruben Blanco qui prend ce ballon et qui cherche sur ce centre venu de la droite à relancer rapidement, mais il n'y parvient pas, le gardien de l'Olympique de Marseille. Tous deux jeunes vêtus ce soir, mais Grégoire Coudert, il a 24 ans et ce sont ses premières minutes, c'est un peu un baptême du feu. Alors je vous le disais, il a joué une minute la semaine dernière à Clermont, mais une fois que le gardien habituel Bizot s'est fait exclure, il a pris deux matchs de suspension pour s'être chauffé avec un adversaire de Clermont. Et là, voilà, il faut aussi le mettre à contribution, lui mettre des frappes, voir un petit peu, quoi. Exactement. Voilà, parce qu'il doit avoir un peu avoir la pression. Et non, on joue le coup franc, on le laisse sur le côté. Allez, Amin Harit. Amin Harit, ouais, superbe tacle. Hein. Oh, c'est beau, c'est propre. Allez, au pressing. Moumbagna, faut rester là-bas. C'est Ismaïl Assar. Et il concède la touche. Mais voilà, tentez des choses. Pour le moment, après 14 minutes, Ismaïl Assar, on l'a vu toucher 3 ballons. Et là, Harit, dommage, il avait dédoublé, mais il y a le retour de Lismelou qui est partout. Hein. Arrière-gauche, ailier droit. Lui que le Stade Rennais voulait lors de ce mercato hivernal. Et Brest a dit non, non. Et encore de la tête, il prend le meilleur. Brest a dit non, non, tu restes là. Alors je crois bien qu'il allait tripler son salaire, quelque chose comme ça. Et il est resté. Il est resté et il fait un sacré début de match. Allez, 0-0 à la 14e. Unai côté droit. L'OM qui a le ballon là. Avec... dos à la cage, Faris Moumbagna, il s'est retourné, il peut accélérer le Camerounais, une fois, deux fois, l'arbitre qui revient à la faute, oui, parce qu'il est resté au sol, Faris Moumbagna, c'était même Ismaïl Assar, pardonnez-moi, Moumbagna était un peu plus devant, et c'est Ismaïl Assar qui a fait la différence, et qui est revenu là, mais accroché ouais, par Doumbia, le duel entre le Malien de Brest et le Sénégalais de l'OM, deux joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations et qui étaient titulaires avec leur sélection. Ismaïl Assar avec le Sénégal et Doumbia avec le Mali, entraîné par Eric Schell, l'ancien technicien de Martigues notamment. Allez, Jonathan Clauss, là on va le mettre devant, ce ballon dans la boîte, la tête d'Mbemba, ouais, il est battu de justesse par Brendan Chardonnay. Au duel, Onana peut-être la récupérer, finalement non. Le pressing, voilà, Balerdi va y aller là-bas sur Chardonnay, voilà, faut les mettre dans l'embarras. Il dégage directement sur Harit à 20 mètres, Harit côté droit, Iliman Ndiaye, ouais, pénalty ou pas, non, ouais, Balerdi qui râle, ah ouais, Iliman Ndiaye qui est au sol, Gattuso aussi, attention sur la contre-attaque parce que la Brest est en train de propulser le ballon sur le côté gauche, même si l'OM se replie bien. 4 ou 5 Brestois n'ont rien dit. J'ai pas l'impression qu'il y ait pénalty. On va voir ça en attendant à l'opposé là-bas. Ah, là aussi, on réclame quelque chose avec Mounier qui restait au sol. Mais Iliman Ndiaye n'a que très peu contesté la décision de l'arbitre. Là, Balerdi était sûr de lui. Hein. Balerdi, il est même presque mieux placé que l'arbitre. On va voir ça avec l'assistance vidéo. En attendant, Brest à l'attaque avec Bradley Loco quasiment au poteau de corner à gauche et le corner est concédé, non, ce sera une touche concédée par Ismaïl Assar. Allez, on va revoir ça bien évidemment au ralenti, hein, ouais, à vitesse réelle, on avait l'impression qu'il avait eu un contact. Après effectivement, entre la vitesse réelle et les ralentis, des fois ça peut changer effectivement, mais on avait l'impression. Alors on revoit la soi-disant faute de Garcia sur Mounier. Ouais,
et juste après on la revoit très rapidement parce que le jeu se poursuit et ça va vite Fabien et on n'a pas le temps de la voir. Moi j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Non, je pense qu'il touche le ballon avant un petit peu effectivement. Ouais. Mais je pense qu'il y a après il y a un petit contact mais c'est léger. C'est dommage là, Harit sur la contre-attaque qui voulait lancer Mumbagna. Mais il y a encore des automatismes à prendre hein, c'est pas simple hein. Harit il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, il a du mal à retrouver son niveau hein. C'est compliqué pour lui, il n'a quasiment pas joué à la Coupe d'Afrique. Il a fait 3 ou 4 entrées en jeu avec le Maroc. Mumbagna pareil, il a très peu joué à la CAN, il est entré en fin de match avec le Cameroun et là ils se connaissent peu les deux joueurs hein. Donc sur les appels, sur tout ça, mine de rien, il est hors jeu Ismaïla Sarr dans la profondeur et il y a tout ça aussi à travailler hein. c'est pas simple et l'OM n'a pas le temps. Et puis surtout Gennaro Gattuso depuis le début de l'année voire même un petit peu avant, je suis pas certain qu'il ait aligné deux fois de suite le même 11, donc effectivement hein, pour les automatismes et tout ça c'est très très compliqué. Et mon Fabien, moi je dis qu'il y a pénalty pour l'OM. On revoit là, tu vas les revoir là, les ralentis là, ils vont arriver. Tu vas voir. Ouais. Il touche pas le ballon, ouais. Je pensais qu'il touchait le ballon, derrière, il touche pas le ballon. Ouais. De derrière, c'est pas pareil, effectivement. Et oui. Ça peut être discuté. Allez, c'est lui Liman, il est parti. Il y a le retour quand même de Brassier. Mumbagna qui arrive à servir Harit côté gauche. Au deuxième poteau, Liman Ndiaye est là. Amin Harit qui revient dans son dos, il a Garcia. Harit qui veut revenir dans l'axe avec Asdin Ounahi. Ah, il veut la garder Ounahi, on est obligé de reculer. Ah, il y avait Ndiaye, dommage sur le côté là-bas. Mais l'OM la conserve et assez proche du but adverse avec Mbemba qui veut accélérer. Mbemba, bien joué côté droit. Le centre de Klose, il va arriver. Ah, c'est contré in extremis là par Mathias Pereira-Lage qui s'était replié là-bas. C'était beau ce qu'avait fait Mbemba. C'est comme il le fait de temps en temps là, à l'époque de Tudor où il avait le droit de monter, il nous régalait Chancel Mbemba. Il a fait quelques fois avec la République démocratique du Congo, son pays, dont il est le capitaine à la Coupe d'Afrique des Nations, éliminé en demi-finale et vaincu pour la troisième place. Et ce sont ses premières minutes avec l'OM hein, depuis fin décembre Mbemba, hein, 2 mois. Hein. Eh oui. C'est long, hein. C'est très long. Mais je ne sais pas si tu as vu Bruno, dès qu'on va de suite vers le but, la course de Ndiaye est très très intéressante. Il est seul, mais il va vers le but, il va essayer de percuter. Ouais. Ça accompagne derrière et puis forcément, ça crée après des situations. Ouais, mais il était seul au milieu de 4 Brestois. Hein. C'était un peu dur, quoi. Je le voyais là, à 40 mètres du but. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il y a une vraie volonté, tu as raison. Et il va vers le but. Moi, c'est ça qui me plaît. Tu as raison de le souligner. Fabien, parce que des fois on joue un peu trop derrière, on attend, on veut faire tourner l'adversaire, mais non, là il va vraiment vers le but et ça c'est intéressant. Allez, de nouveau un coup franc pour les Olympiens à la 20e, pas de but dans ce match plutôt équilibré, mais on sent que l'OM est capable de prendre un petit peu le jeu à son compte avec Grégoire Couder, le gardien de cette équipe bretonne, l'habituel gardien remplaçant hein, qui a joué au rugby quand il était petit. Il a un vrai physique de rugbyman assez large. D'ailleurs, on suivra l'évolution, mon Lolo, du match du RCT hein, qui a dû débuter dans pas longtemps. Jonathan Klose n'est pas cadré sur le coup franc. C'est même contré par le mur. Donc ce sera un corner pour les Olympiens. Le RCT, si je ne dis pas de bêtises, qui doit jouer à Castres ce soir. On suivra ça tout à l'heure. En attendant, le corner pour les Olympiens avec Amin Harit qui met ce ballon limite sur le rond là, c'est ce que regarde monsieur Buquet. Allez, une trajectoire pour Amin Harit qui va replonger vers le but de cette équipe bretonne, de la gauche vers la droite là. Ils sont 5 maillots bleus de l'OM dans la surface de réparation et Jean Onana qui est en retrait. Amin Harit qui s'élance, c'est dévié au deuxième poteau. Ouais, finalement c'est récupéré par un breton, Pereira Lage. C'était dévié par Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr est très loin là-bas, quasiment à l'autre poteau de corner pour récupérer cette balle et revenir avec Jean Onana maintenant. Allez, on bascule vite à gauche avec Ulysse Garcia qui cherche une solution et c'est là où on attend que ça se replie un petit peu à l'image d'une équipe de hockey sur glace où quand on fait les changements on attend avec le palais derrière la cage et au final on la perd là avec Jean Onana. Ah, c'est dommage mais moi je trouve que l'OM y est dans son match hein. On a souvent ces derniers temps par moments fait preuve d'absence. Et attention, il suffit que je dise ça pour que Balerdi et même Onana, ils se font bouger les gars là. Faut être un peu plus présent dans les duels parce qu'Hugo Magnetti, il ouvre sur le côté gauche pour Loco, le centre de Loco pour les Bretons dans la surface de réparation, la déviation de la tête de Mounier qui prend tous les ballons de la tête hein, forcément parce qu'il est
immensément grand, immensément costaud. Et Balerdi, même en sautant, n'y arrive pas et il crée le décalage. Allez, dans la profondeur là, avec Illiman Ndiaye, ce ballon, il peut être intéressant. L'OM qui accélère, il y a eu Harit, il y a Ismail Assar et qui est pris par Bradley Loco. Ah, dommage, dommage, dommage. Le jeune latéral gauche adverse qui est à la lutte avec Quentin Merlin pour une place de titulaire en équipe de France. Espoir, hein, au poste d'arrière-gauche. Hein. Mais là, il fait une superbe intervention. Sarr doit faire mieux, mon Fabien. Ouais, Sarr, il doit faire mieux. Il doit peut-être anticiper aussi que le fait que Loco aille se jeter comme ça dans ses pieds. Mais c'est dommage. Hein. Pourtant, il a la vitesse, notre ami Ismail Assar. Et c'est vrai qu'il devrait beaucoup plus aller provoquer que beaucoup faire mieux, surtout. Mais c'est vrai que c'était une phase de jeu assez intéressante. Et sur la contre-attaque, ils vont vite. Hein. Il y a une frappe excentrée côté gauche. Il est parti dans le dos de Klos, hein, Mathias Pereira Lage. Et sa frappe du gauche, elle ne trouve absolument pas le cadre. Heureusement, mais ils vont très vite vers le but de l'OM. Hein. Capable de jouer en appui avec... avec effectivement, on en parlait, Mounier. Et puis capable aussi de jouer... le long, bien joué de la part d'Ismaïlas de Illiman Ndiaye sur le côté gauche. Amin Harit dans la surface de réparation, là ça peut être bien. Harit, il est passé, Harit fort devant la cage. Oh non, franchement c'est presque le seul endroit où il ne fallait pas mettre le ballon. Il y avait des Marseillais qui étaient beaucoup plus près de but comme, du but comme Moumbagna ou comme Ismail Assar, et ensuite d'autres qui étaient en gros à 10-12 mètres de la cage vers le point de pénalty, et il a mis entre les deux Amin Harit sur ce superbe enchaînement d'Illiman Ndiaye qui a résisté à l'adversaire, qui a repiqué dans l'axe et qui a vu son côté être justement pris par Amin Harit. Et cette fois-ci, c'est encore Mbemba qui y va. Eh ouais, mais Ismail Assar, il s'attend pas à ce qu'il y ait le ballon. C'est franchement une belle situation pour l'OM au cœur de cette première période. Un 0-0 toujours. Ouais, et un superbe travail d'Amin Harit. Malheureusement, il prend pas l'information jusqu'au bout. Il y a Moumbagna qui fait un bel appel premier poteau. Il met ce ballon un petit peu trop derrière Arater. Et oui, malheureusement, il n'y a aucun Marseillais à ce niveau-là. Mais superbe travail techniquement de la part d'Amin Harit. C'est ce côté-là d'Amin Harit qu'il faut absolument que l'on retrouve, parce qu'on sait pertinemment qu'il est capable de faire ça. Mais surtout, Fabien, il avait deux joueurs face à lui. Ah oui, il oui. a réussi à les embarquer et à se procurer une situation centre, hein, exactement, dans la surface de réparation, hein, très près du but. Ah là là, dommage, dommage. Allez, Brest qui repart côté gauche là-bas. Ça fait souvent mal à l'OM sur le côté de Sarr et de Klos là-bas, parce qu'avec Pereira Lage, avec Loco qui monte beaucoup, c'est pas évident. Sur le côté droit, cette fois-ci, on insiste avec Kenny Lala qui tente de passer Illiman Ndiaye qui défend bien. Et vous entendez les supporters de l'OM là-bas sur notre droite avec la remise en jeu. Ce sera, ouais, une remise en jeu, un 6 mètres. C'est bien défendu de la part de Léo Balerdi. Six changements, ça fait beaucoup quand même, hein, mon Fabien. Ouais, ça fait beaucoup. Après, je pensais pas peut-être qu'il allait en faire autant. Après, je pensais pas que Paulo Lopez allait ne pas être là ce soir. Mais après, c'est vrai que quand on pense au match très important qui attend l'OM jeudi en Coupe d'Europe, effectivement, c'est logique. Voilà, il fait quoi, attention, la relance plein axe, la frappe, c'est au-dessus. Oh mais Jean Onana, faut pas faire ça mon gars. Il n'y a pas de souci dans les duels, ainsi de suite, mais à un moment donné, dans la construction, non non, pas un ballon comme ça, relancer plein axe. Il le relance plein axe pour Harit. Et il y a finalement Lesmelou qui lit la trajectoire de ce ballon. Et c'est un miracle qu'il ne parvienne pas à cadrer. Il vise la lucarne à droite à 20 mètres. C'est au-dessus. Mais comment, mon Fabien, peut-on relancer comme ça? Ouais, surtout dans l'axe, c'est quelque chose qu'on apprend à... Un U6, U7, U8, c'est-à-dire de ne pas relancer dans l'axe comme ça, à part si on est sûr. Mais là, Jean Onana était loin d'être sûr et ce ballon n'est pas assez appuyé. Et Lesmelou se retrouve là, et heureusement, hein, que sa frappe enroulée pied droit passe juste à côté de la lucarne de Blanco. 21h10, c'est France Bleu Provence. C'est toujours le concours des pronostics. 04 42 38 08 08. On pronostique quand même, et les supporters et auditeurs de France Bleu Provence et supporters de l'OM sont confiants ce soir. Une petite victoire de l'OM qui ferait grandement du bien au moral, bien sûr, des troupes. Concernant le RCT, bien sûr, que l'on va suivre d'un petit direct ce soir pour le déplacement à Castres. On rappelle que le Castres Olympique et les Toulonnais visent le top 6, effectivement. Ce soir, et c'est un match important. Il a démarré depuis quelques minutes et pour l'instant il ne s'est rien passé sur la pelouse de Castres. Voilà, on s'intéresse au foot, direction la Bretagne avec Bruno Blanzaï. Toujours 0-0 entre Brest et l'Olympique de Marseille.
Ouais, l'OM pour le moment règne des matchs nuls cette formation, hein, parce que tu disais tout à l'heure en préambule sur les 6 derniers matchs il n'y a aucune victoire, mais il y a la défaite à Lyon, sinon il n'y a que des matchs nuls, hein, des Olympiens, hein, c'est malheureux. Oui, oui. Match nul contre Strasbourg, match nul contre Monaco, match nul contre Metz, voilà, match nul contre le Shakhtar, enfin ça fait peu avancer, mais malgré ça on le répète, hein, l'OM peut être en cas de victoire ce soir, et c'est possible, hein, à la vue de ce que l'on a sous les yeux. Bien joué de la part de Jean Onana, à 3 points du podium, hein. Allez, plein axe. Ah purée, c'est mal donné, il faut qu'il s'applique là. Eliman Ndiaye, il revient bien sur le côté droit avec Klos. Là ça va être un beau centre en retrait, Klos qui se manque sur le premier joueur qui est face à lui, et ce sera un corner. On doit mieux faire, mon Fabien. On s'applique pas suffisamment d'un point de vue technique, hein, parce qu'on en a des possibilités. Hein. Ouais, c'est dommage. Alors que pourtant, on sait que c'est le point fort, hein, de Jonathan Klos. Les centres en général, mais là, effectivement, il fait le mauvais choix. Il veut centrer ce ballon en retrait. Et malheureusement, le Brestois avait totalement anticipé la trajectoire du centre de Jonathan Klos. Et du coup, il y a Brendan Chardonnay là qui vient râler, le capitaine demandait des explications à l'arbitre Monsieur Buquet. Ouais, ça discute beaucoup et le public s'en mêle aussi. J'ai l'impression qu'il lui a dit non, mais à un moment donné, s'il y a des fautes ou pas, j'ai l'impression qu'il lui a dit au pire il y a l'assistance vidéo. Mais j'ai l'impression qu'il avait fait ça. Allez, le corner pour les Olympiens. À la 28e minute, quasiment au tiers de cette première période, c'est mal frappé par Klos là-bas. Côté droit, où c'était non, c'était bien lui, c'était Jonathan Klos là. Et Unai au duel. Attention, ne pas commettre de faute. Et attention, parce qu'ils ont mis Doumbia dans la surface de réparation. La frappe de Doumbia. Heureusement, il se moque totalement. Et il y avait le retour de Jean Onana. Mais la contre-attaque vraiment très très rapide, ultra rapide des joueurs bretons. Avec sur le côté gauche, là, il a résisté. C'est dans un premier temps Del Castillo qui arrive à trouver Doumbia dans l'axe. Son contrôle est bon, le premier, ensuite sur sa reprise de volée alors qu'il est quasiment au point de pénalty. Il se manque totalement. Il ne parvient pas à la reprendre. On a eu chaud encore, mon Fabien, là-dessus. Hein. Vraiment. Ouais, hein. Ouais, on a eu chaud et Unai, il doit arrêter l'action d'entrée de jeu. Il est au contact, il le tient, il doit faire faute Unai au départ. Et heureusement que Doumbia se rate littéralement, hein, sur sa reprise de volée. Avec le ballon qui lui bombe devant, il apprend totalement externe du pied droit et ce ballon va mourir en 6 mètres. Mais heureusement, parce que là, on était en déséquilibre total. Hein, bientôt une demi-heure de jeu, toujours 0-0. On rappelle que vous pouvez gagner 2 places, hein, pour le match retour des 16e de finale face au Shakhtar Donetsk. Donc jeudi soir, ambiance attendue au Vélodrome. 2 places pour vous. Juste une statistique, petite possession marseillaise. Alors où nous parlerons, aucun tir cadré, aucun tir non cadré. Ou également de la part des Marseillais ce soir, Bruno. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de tentative. Il y aurait pu y en avoir une ou deux, hein, à côté OM, mais les centres étaient finalement pas suffisamment précis pour trouver des partenaires, alors qu'à l'inverse, côté breton, il y en a eu. Eh bien, on a tenté sa chance, effectivement. Doumbia là qui se manque, il y a eu Lesmelou tout à l'heure. La première tête, elle était magnifique, hein, d'entrée de match avec l'attaquant béninois Steve Mounier, la superbe claquette de Ruben Blanco qui joue ce soir, on vous le répète si vous nous rejoignez, parce que Paolo Lopez est touché au mollet gauche et qu'on ne veut pas prendre de risque côté Olympique de Marseille. Et c'est encore lui, Ruben Blanco, qui va être peut-être mis à contribution. Il va sortir sur ce long coup franc, il la prend, il la relâche, oh, il la met au-dessus finalement les Bretons, et Ruben Blanco qui réclame une faute. Alors est-ce qu'il a relâché ce ballon à la lutte? Non, il n'y a jamais faute, hein. Heureusement que ce n'est pas cadré de la part du défenseur de Brest, de la part de Chardonnay. Je suis en train de revoir ça. En non, fait, il prend le ballon. C'est Marcy qui lui rend dedans. C'est Onana, il me semble, en plus, qui fait tomber Blanco. Donc non, il n'y aurait pas eu faute, hein, si jamais le Brestois avait mis le ballon au fond. Heureusement, ce ballon est passé largement au-dessus. Allez, de nouveau les Olympiens, côté gauche, là c'est bien joué de la part d'Iliman Ndiaye qui a du feu dans les jambes ce soir. Il est très très présent avec Ulysse Garcia qui va revenir sur Jean Onana. Attention, ça arrive derrière toi Jean Onana. Il repasse par Garcia côté gauche, l'OM à 25 mètres de la cage adverse. Sous les yeux de Gennaro Gattuso, comme d'habitude, tout de noir vêtu avec ses chaussures blanches, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille.
Mumbagna, dos à la cage, c'est pas mal joué ça, il résiste avec Amin Harit parce qu'ils sortent beaucoup au pressing, hein, les Bretons. Allez, de nouveau Illiman Ndiaye sur le côté gauche, cette fois-ci cela fait prendre cette balle et il commet la faute, et il commet la faute. On n'arrive pas à passer dans les 20 derniers mètres, hein. Sur ces 32 premières minutes, on arrive à construire et ainsi de suite, mais c'est souvent le même problème, mon Fabien, depuis le début de la saison. Mais basculer dans les 20 derniers mètres et trouver un partenaire en position de but, ça on ne sait pas faire. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal, hein. On a plutôt la position de balle, effectivement, on veut faire des attaques placées, mais on n'arrive pas à déséquilibrer pour le moment cette équipe de Brest qui est vraiment bien en place. Ils sont vraiment agressifs sur le porteur de balle et c'est vrai que pour le moment, c'est compliqué à déséquilibrer cette équipe, mais voilà, c'est plutôt quand même intéressant, hein. La première demi-heure, ouais, des Marseillais, même s'il y a eu quand même 2-3 alertes du côté de Brest, mais quand même dans le jeu et sur le fond, je trouve ça assez intéressant. Bah après, c'est une belle équipe en face, hein. Ah ben, attention, bien sûr, même s'il y a deux équipe. Joueurs importants qui ne sont pas là, deux titulaires, mais c'est une équipe qui, on l'a dit, là, joue quand même la deuxième place de la Ligue 1 ce soir. Il y a hors-jeu là de Pereira là sur le côté droit, donc voilà, jouer la deuxième place de la Ligue 1 à la 22e journée, même si on le dit c'est peut-être une Ligue 1 assez faiblarde. On voit que Monaco perd ce week-end, on voit que Nice perd ce week-end, ouais, c'est beau d'être là pour cette équipe de Brest, hein, à 12 journées de la fin, parce que vous le savez, cette saison on a basculé à 18 clubs, donc 4 matchs de moins. Et ouais, c'est pour le moment la vraie surprise de ce championnat de Ligue 1. Ouais, Mumbagna qui est au sol, ça râle beaucoup, hein, parce qu'il signale un coup franc en faveur de l'OM. Ça râle beaucoup côté breton sur les décisions de Rudy Buquet. Tu adores les stats, mon Lolo, depuis tout à l'heure, moi aussi, tu le sais. Eh bien, j'en ai deux à vous donner, alors qui n'ont pas forcément un rapport avec le match ce soir. Enfin, en tous les cas, j'espère pas, vous allez vite comprendre. L'OM, désormais, la seule équipe qui n'a pas perdu à la maison. Ça, c'est quelque chose qui est à noter. Alors, ça nous fait une belle jambe, comme dirait l'autre. Mais parce qu'on est en huitième, c'est pas terrible. Mais voilà, l'OM, c'est la seule équipe de notre Ligue 1 avec zéro défaite au Vélodrome. Sur la phase retour, on le sait, il y aura la venue de gros cylindrés. Bon, il y aura Montpellier le week-end prochain, dimanche prochain. Mais ensuite, il y aura Paris un peu plus tard. Il y aura Lens. Il y aura également Nice. Donc, sur la phase retour, c'est un peu plus costaud au Vélodrome. Mais voilà, ça je voulais vous le dire. Et puis l'OM est la seule équipe qui n'a pas concédé de pénalty cette saison. Aucun pénalty sifflé contre l'OM en championnat. Et souvenez-vous, il y en avait eu en Coupe de France à Rennes, que Paulo Lopez avait arrêté dans le jeu. Et il n'y en a aucun de sifflé contre l'OM en championnat. Et on espère qu'il n'en aura bien évidemment pas ce soir. Brest de nouveau à l'attaque. Il va rester 11 minutes avant la mi-temps. Doumbia sur le côté gauche qui arrive à servir Loco. Très offensif, le centre est en retrait, très en retrait. Finalement, l'OM va y aller. Voilà, au duel, c'est bien joué de la part de Mumbagna. Là, ça déménage. C'était même Ismaïla Sarr. Allez, accélère, mon grand, maintenant. Vas-y là-bas. Ouais, il y a une main. Ouais, du capitaine Chardonnay. Ça râle, mais lui ne râle pas. Lui, il sait qu'il a commis la main et qu'il y a la petite mémine. Il va prendre un carton, Chardonnay, en plus. C'est normal parce que là il y avait une balle de vraiment pour partir côté OM avec Ismaïla Sarr qui avait au duel remporté et c'est normal qu'il a signalé cette main, hein. Ah ben, si c'est dans la surface c'est pénalty, hein. Complètement. Donc, il se met au sol et le ballon va percuter le bras, hein, de Brendan Chardonnay qui est en train d'effectuer un tacle, mais effectivement, hein, ça coupe totalement l'action et alors que les Marseillais étaient en projection vraiment pour aller vers le but. Donc c'est tout à fait logique que M. Buquet donne un avertissement aux défenseurs bretons. Allez, Ulysse Garcia pour le coup franc, il est bien frappé. Chardonnay qui met ce ballon en corner là, qui est venu couper cette trajectoire. Il était bien enroulé ce ballon d'Ulysse Garcia, très loin. C'est pas simple à faire retomber dans la bonne zone avec de la force. Il était à facilement 40 mètres en diagonale côté gauche, avec de la force, avec de la précision pour que même si un adversaire la prend cette balle, elle puisse mettre en danger la défense adverse. Et c'est pas mal joué. Corner de nouveau. Ce n'est plus Harit, c'est Garcia. De la gauche vers la droite. La tête de Balerdi, non. Ça traîne. Allez, il la sort ou pas? Non, de la part de Jean Onana qui réclame un nouveau coup franc. Deux hommes au sol, un de chaque côté de la surface de réparation. Le centre, la tête, elle est au-dessus. Oh, c'est rageant. La tête de Mbemba là, sur ce centre mis par dessus de la part d'Ismaïla Sarr. Mais enfin, une première tentative, les amis, de l'OM.
même si ce n'est pas cadré sur cette tente, sur cette tête de Chancel Mbemba, qui avait marqué d'ailleurs, je crois bien ici, ça me rappelle là sur ce but-là, là. D'ailleurs, Chancel Mbemba les saisons passées, mais il n'arrive pas à rabattre sa tête suffisamment. Il la prend du haut du crâne, Fabien. Ouais, ouais, c'est dommage. Hein, c'est un bon travail hein, d'Ismaïl Assar sur le côté, un très bon centre pied gauche. Et Mbemba, il a pris un petit peu du haut du crâne et ce ballon s'envole au-dessus de la transversale du gardien brestois. Mais c'est dommage, mais c'était bien fait de la part des Marseillais. Ouais, très honnêtement, il y a des choses intéressantes. Et puis devant, les deux Sénégalais à droite et à gauche, là, Illiman Ndiaye et Ismaïl Assar, ça y est, ils commencent à se bouger un peu là. Voilà, et ça signale encore une faute sur Faris Moumbagna. On ne le voit pas beaucoup devant le but, l'attaquant de l'OM, l'avant-centre, mais par contre, il en récupère un paquet de coups francs. Hein. Au duel, dos au but, ainsi de suite, il fait râler le public parce que l'arbitre signale toutes les fautes qui sont sur lui. Allez, Garcia, ça va être récupéré par Illiman Ndiaye. De nouveau pour Garcia, faut centrer dans la boîte, il y a du monde. La tête de Brassier s'est récupérée peut-être à 20 mètres là. Et il y a une faute cette fois-ci d'Azdin Ounahi. Ah ouais, le public qui chambre, qui se lève, qui applaudit pour une décision de l'arbitre en faveur des locaux. Voilà. Sa chambre, parce que les supporters du stade brestois 29 avaient l'impression que l'arbitre ne sifflait que pour l'OM jusqu'à présent. Pendant longtemps, il n'a pas sifflé, et puis là, il siffle tout. Monsieur Buquet, il va rester 5 et 2, 7. 7 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Allez, côté gauche. Ouais, c'est encore finalement une touche concédée par les Olympiens dans la partie de terrain de l'OM là, l'amorti de la poitrine de Mounier, ça va vite, ils sont au duel de la tête là avec Romain Del Castillo au pied du parquage des supporters de l'OM. Le centre est contré par Léo Balerdi en bout de course, corner concédé par le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. Et attention parce que il y a de la taille, il y a Brassier qui monte, il y a Chardonnay qui est là également, et puis surtout il y a Steve Mounier et son 1m90, c'est lui probablement qui va être cherché. Il est pris et c'est du marquage individuel par Chancel Mbemba et ça se chamaille un peu et l'arbitre qui fait signe stop. C'est ce qu'expliquait Gattuso hier en conférence de presse. Jusqu'à présent sur les corners, les coups de pierre étaient défensifs, il faisait du marquage du travail de zone, c'est-à-dire que chacun devait rester un peu dans sa zone, 2-3 mètres devant, c'est ça un peu Fabien à peu près, ouais. Et il a basculé au marquage individuel contre le Shakhtar et c'est encore le cas ce soir. Balerdi doit suivre Brassier et Mbemba doit suivre l'attaquant Steve Mounier et le premier corner est raté. Mais c'est un gros changement ou pas ça? Ah ben oui, quand on a l'habitude de travailler en zone, effectivement, ça peut changer. Alors après, ce sont des phases que l'on travaille forcément aux entraînements. Et après, quand on fait du marquage individuel comme ça, c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Donc il va falloir vraiment que tous les défenseurs marseillais se prennent en charge. France Bleu Provence, il est 21h24 en direct donc de Bretagne. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a toujours 0-0 aussi pour le match de rugby qui nous intéresse ce soir. Parce que nous, on en profite pour faire l'écho, bien sûr, et l'actu de tous les clubs professionnels et sportifs de notre région. Il y a aussi le rugby avec le RCT pour son déplacement à Castres, toujours 0-0. Permettez-moi juste un tout petit mot sur le monde de l'Ovalie pour saluer la très belle victoire de Provence Rugby face à Vannes qui était leader de Pro D2. Breton, hein. Exactement. Ça nous porte c'est chance, un signe, hein. C'est un signe et c'est pas une vanne. Donc Provence Rugby a bien gagné face au leader, c'était vendredi soir et puis et espère évidemment regagner le haut du tableau de ce classement de Pro D2 pour les voir dans l'élite l'année prochaine. Pour Castres, RCT 0-0. C'est une grosse équipe, hein, Vannes, hein, et depuis plusieurs saisons. Et c'est bien de les avoir battus à la maison, à domicile, devant encore plus de 8000 personnes. Hein. C'est bien. Et la faute là-bas, ouais, sur Amin Harit. Et encore un coup franc bien placé pour l'OM. On est entré dans les 5 dernières minutes de la première période. Et Mathias Pereira-Lage qui dit à l'arbitre, il dit « je ne l'ai pas touché ». Mais Harit est resté au sol et c'est lui qui va récupérer ce ballon. C'est franchement du 50-50 en termes... pas d'occasion, il y en a un peu plus quand même pour cette équipe de Brest. En tous les cas, on a l'impression, et elles sont plus dangereuses, l'OM qui n'a tenté sa chance qu'une fois sur la tête d'Mbemba tout à l'heure, mais par contre dans le jeu, dans le fait de monopoliser le ballon, d'avoir le ballon dans la partie de terrain adverse, c'est vrai que l'OM
Et mieux. Après, malheureusement, ça ne permet pas de se procurer des occasions. Peut-être là, coup franc pour Klose sur le côté droit. Ça semble bien parti. La déviation de la tête. Ce n'est pas cadré de la part d'Mbemba. Il était entre eux, le point de pénalty et les 5,50 m. Plus près du point de pénalty, Chancel Mbemba. Et sa tête décroisée venant de la droite. Elle n'est malheureusement pas cadrée. J'ai envie de dire que ça se rapproche. Ça se rapproche pour être optimiste côté olympien. 0-0. Alors ça tombe plutôt bien puisque la possession est de plus en plus marseillaise. Dernière statistique qui tombe également. 61% de possession pour Marseille ce soir. Et les auditeurs, supporters de l'OM, auditeurs de France Bleu Provence, pronostiquent un 2-1 à présent. Beaucoup de matchs nuls, mais beaucoup de 2-1. C'est la nette tendance des auditeurs qui voient une victoire marseillaise ce soir. Et on l'espère toutes et tous. Ouais, bien joué de la part de Chancel Mbemba face à Romain Castillo de la surface de réparation. Oh, la parade de Ruben Blanco. Il n'a pas laissé passer ce ballon entre ses jambes. C'est la plus grosse occasion de ce match. À la suite d'une erreur défensive, eh bien c'est plein axe Pereira Lage qui se présente seul vraiment face à Ruben Blanco. Ils sont encore à l'attaque et Léo Balerdi qui va concéder la touche. On est passé tout près de l'ouverture du score, mais il a fermé ses cuisses, fermé ses jambes, Ruben Blanco, pour ne pas prendre ce ballon justement entre ses jambes et ne pas voir Brest passer devant. Toujours 0-0, mais là franchement ça nous fait deux gros arrêts pour le gardien remplaçant l'OM qui supplée Paulo Lopez blessé ce soir. Il nous tient en vie pour le moment. Pas de but, ça traîne encore, la reprise de volée, la tête de Léo Balerdi pour sortir ce ballon avec Amin Harit, mais c'est un gros arrêt, encore un gros arrêt vraiment. Ah ouais, il nous maintient en vie, hein. Pour le moment, Blanco là dans les buts avec en tout début de match cette claquette, et là il vient se jeter littéralement dans les pieds de Pereira Lage là, et il vient mettre ses jambes très très bien en opposition, et heureusement, hein, parce que là on avait été à la rue, hein, côté marseillais en défense, et heureusement le portier espagnol nous sort le bon geste au bon moment. Ah oui, il jaillit bien, hein, parce que ça se joue en 2-3 secondes. Ça va vite, hein, des ça fois va très on a vite. Le temps, Fabien, des fois on a le temps de voir l'attaquant arriver. Exactement. Sur un face-à-face, et là ça va très très vite, hein. Ça se joue sur une passe en profondeur de 3-4 mètres seulement de Del Castillo pour Pereira Lage, et d'ailleurs je crois bien qu'il y a un joueur de l'OM qui monte à contre-temps pour le hors-jeu. Et il n'est absolument pas hors-jeu. Et là, il jaillit superbement, Ruben Blanco. Alors que Aubameyang, Kondogbia et Bamou Meïté, notamment, et Merlin, reviennent vers le banc après leur échauffement. Et encore Del Castillo sur le côté là-bas pour Brest. Ouais, aidé par Balerdi, Liman Ndiaye, le dégagement de Léo Balerdi, la tête de Magnetti, la reprise de volée lointaine. Et c'est Chancel Mbemba sur cette reprise de Lesmelou la dégage cette balle. On a chaud, hein, sur les relances, on ne s'applique pas suffisamment. Et c'est fait avec Liman Ndiaye. Ah, il se l'a fait piquer par Hugo Magnetti. Allez, ouais, il la repère de nouveau. On les met dans l'embarras là, Luis Garcia. Et on laisse Brest bien mieux terminer cette première mi-temps. De nouveau Luis Garcia au duel. Et il y a Onana qui va pour faire le décalage. Et c'est encore Liman Ndiaye qui perd ce ballon pour venir faire l'effort et la récupérer. C'est un peu n'importe quoi, mais on l'a beaucoup trop perdu. Allez, avec Amin Harit côté droit là-bas pour la montée de Jonathan Klose. Il va rester combien ? Une petite minute avec Hasdine Ounahi qui veut lancer là-bas. Ismail Assar, ça ne passe pas, Bradley Loco. C'était loin là-bas. Et une nouvelle contre-attaque. On est vigilant parce que il n'est plus là, Jonathan Klose. Il y a Mbemba qui vient fermer le couloir droit. C'est récupéré par Hugo Magnetti à 30 mètres au début de l'OM avec Pereira Lage. Pereira Lage qui la redemande à Del Castillo. C'était lui qui lui avait donné et c'est bien intercepté par Jean Onana. Avec maintenant Ulysse Garcia qui veut repartir. Proprement, va-t-il y avoir du temps additionnel sur cette première période ? Ouais, je vois l'arbitre assistant ou pas ? Non, pas certain. Avec sur le côté droit. Ah, purée, c'est dommage. On a deux disques de prévu, mon Lolo, c'est ça ? Avec plein axe là, une possibilité, Hugo Magnetti. On est dans le temps additionnel de cette première période. Brest de nouveau à l'attaque, il n'y a pas de but pour le moment. Avec les rouges là, et Doumbia et Magnetti maintenant qui veulent faire tourner la défense de l'OM. On était côté gauche, on passe côté droit, c'est sans problème pour Ruben Blanco. Et c'est sur cet arrêt du gardien de l'OM que la mi-temps est sifflée. 0-0, très peu d'occasions pour l'OM, même s'il y a une domination territoriale de nos Olympiens qui sont dans leur match. Mais par contre, Ruben Blanco nous a fait deux énormes arrêts, le gardien de l'Olympique de Marseille ce soir. C'est bien simple, 2 minutes après le coup d'envoi et 2 minutes avant la mi-temps. Le premier,
d'une claquette à la suite d'une tête de Steve Mounier sous sa barre, un peu en reculant. L'arrêt est magnifique. Et puis là, dans un face-à-face, il a vite refermé les guiboles pour éviter que le ballon ne lui passe entre les jambes. L'OM s'en sort bien, même si on sent qu'il y a quand même des possibilités. Mon Fabien, c'est dur à analyser, hein. Ouais. Vraiment sur cette première période. Fabien Laurenti. Ouais, c'est pas évident. Après, l'OM ne fait pas un mauvais match. Hein. On est plutôt, je trouve, cohérent dans le jeu. On a eu plutôt la maîtrise. Maintenant, on a été mis en difficulté 3-4 fois hein, par cette équipe de Brest où on a fait quelques erreurs et ils en ont profité pour nous mettre en difficulté. Maintenant, je trouve que voilà, y a moyen quand même, je pense, de ramener un truc, donc il va falloir rehausser quand même un petit peu son niveau en seconde mi-temps, pourquoi pas aussi avec des nouveaux entrants, hein. Il y a quand même du beau monde sur le banc, et puis en espérant que les Marseillais fassent le job en seconde période. Et parmi les Marseillais, quel est l'homme du match d'après vous? Incroyable. Et Blanco, hein. Et Blanco, bien sûr. Indiscutablement l'homme de cette première période. Hein, non, mais après, Lolo, on le sait, c'est un bon gardien, Ruben Blanco. On en a souvent parlé avec Fabien sur l'antenne. Lorsqu'il joue en Coupe de France, il a suppléé Paulo Lopez à quelques reprises la saison dernière, également en championnat. Il a rarement fait des mauvais matchs. Le problème, c'est qu'on reste sur... c'était quoi? C'était le match amical contre... C'était contre Milan qu'il avait joué la saison dernière avec Tudor, là. Ouais, oui, c'était loupé, ça, non totalement. C'est ça. Mais... L'OM avait eu du mal et puis sur les relances au pied il était pressé, c'était, enfin voilà, mais moi je trouve que ça reste un gardien honnête. Alors oui, les remplaçants, c'est pas non plus le meilleur gardien de la terre, on va se détendre, mais il a souvent fait des matchs avec beaucoup d'arrêts, hein, Ruben Blanco, hein, très honnêtement. La saison dernière, je me souviens, c'était contre Monaco. S'il n'est pas là en première période, il y a 12-0 pour Monaco à la mi-temps. Enfin, franchement, il y a de la qualité. Là, on voit qu'il est dans son match. Et c'est rigolo parce que, bon, c'est un grand ami de Paulo Lopez. Et il est venu nous parler aux journalistes il y a quoi? Il y a un mois. C'était avant le match à Rennes. Ouais. Et il devait jouer. Au final, il était malade. Et Paulo Lopez l'avait joué ce match-là. Et en gros, il disait, moi, mon objectif, c'est d'être titulaire à l'OM. Je sais qu'il y a Pao, tout ça. Mais moi, je débute la semaine et je l'avais relancé. Je lui avais dit, mais vous nous dites ça, ok. Mais on sait, nous tous, dès le lundi, quand la semaine débute, que c'est Paulo Lopez qui va jouer le week-end. Et vous, vous croyez que vous allez jouer. Et il disait, mais moi, je ne lâche jamais. Je m'entraîne comme si j'allais jouer le week-end et tout. Et au final, il y a une belle concurrence entre les gardiens. Et Ruben Blanco est là et montre qu'il a aussi un minimum de qualité. Et ce soir, heureusement qu'il le montre pour l'Olympique de Marseille, 0-0 à la mi-temps. Voilà, on essaie d'être le plus juste possible. Bruno va marquer sa petite pause au vestiaire. On est d'accord, hein, c'était pas un match flamboyant. Hein. On peut pas dire qu'on a pris un plaisir fou dans cette rencontre. Non, mais j'ai quand même noté du mieux face à une équipe qui joue quand même soir pour être seconde. Donc. On a été quand même solide. Et s'il y a eu un but d'avance, malheureusement pour nous, c'était somme toute logique aussi par rapport aux occasions plus franches. Oui, oui. Aussi. C'est un match ouvrir la marque. C'est un match où les deux équipes se tiennent. Donc ça va se jouer sur des, comme on dit, les petits détails. Il va falloir être attentif de partout. On peut juste s'attendre à quelques remplacements d'après. Allez, on pronostique un petit peu ça à deuxième mi-temps avant de clore justement les pronostics sur France Bleu Provence pour gagner vos places pour le Vélodrome jeudi. Bruno, tu penses qu'il va y avoir des remplacements dans la deuxième période? Après les 45 premières minutes. Alors je dirais non, mon Lolo, pour deux raisons. La première, c'est Gattuso en fait rarement à la mi-temps. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, c'est que moi je trouve que l'OM est dans son match. L'OM, voilà, il y a deux trois petits détails à régler, les fameux piccolo détails, comme dit Gattuso. Ouais. Mais voilà, même s'ils sortent tous à l'échauffement là, voilà, je vois Kondogbia, je vois Merlin, Aubameyang, et Correa notamment. Kondogbia va pas rentrer selon vous? Non, pas de suite. Peut-être qu'il tournera à l'heure de jeu ou un peu plus tard. Mais enfin, moi, je trouve que son équipe est en place. Il y a deux, trois trucs à améliorer devant. Ismaïla Sarr est monté en régime au fur et à mesure de la rencontre. On a vu qu'Mbemba avait réussi à placer deux têtes sur la fin de cette première période. Il n'y a pas grand-chose à changer côté OM pour aller chercher un petit truc. Hein. Bon, d'accord. Et bien, écoutez, on pourra le constater pour la deuxième période dans 10 minutes, Fabien Laurenti. Allez, on y va. C'est toi aussi, tu pronostiques pas de changement pour... Non, je ne pense pas. Mais je suis convaincu qu'il y aura des changements ça, durant le bien match. Sûr, c'est sûr, mais peut-être qu'à la mi-temps, non. 0-0, on le rappelle, entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Un défi pour les Brestois, c'est peut-être de gagner les Marseillais ce soir pour accrocher la deuxième place. Et évidemment, et avant tout, notre priorité totale ce soir, c'est de regonfler
est le moral de cet Olympique de Marseille qui en a grandement besoin sur la dynamique, enfin d'une victoire, on l'espère de tout cœur, après la spirale plus que négative de ces derniers temps. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour la deuxième partie du match à suivre en direct intégral. C'est terminé pour le concours des pronostics. Merci à vous tous de nous avoir appelés. Tirage, bien sûr, toute la semaine dans le 100% OM et jeudi soir. Vous gagnerez des places et en plus, vous serez bien dans le Vélodrome pour assister au match retour après le match nul de jeudi dernier entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique de Marseille. Chez nous, à la maison alors. Allez l'OM.
us down. Nous regagnons tout de suite donc le direct intégral de cette deuxième période. 100% OM, 100% OM, le direct live. Aubameyang patiente sur le banc, il risque d'être titularisé ce soir. Vous nous confirmez Bruno, pas de changement pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps? Non, et déjà un corner pour l'OM. Il ne sera pas titularisé ce soir, Aubameyang, hein. Sinon, il l'aurait été d'entrée de match, mon Lolo. Mais il risque d'entrer en jeu. Enfin, il risque. On espère qu'à un moment donné, il entrera en jeu, effectivement. Ils se sont beaucoup échauffés pendant la mi-temps, mais ça, c'est une tradition, effectivement, avec Gattuso, après 25-30 minutes. Et puis ensuite, à la mi-temps, pas de changement à l'Olympique de Marseille. On est reparti avec les 11 mêmes et avec notamment Klose pour frapper les corners. Et comme en première période, on ne change pas, ça ne passe pas le premier rideau, hein. Quand même dingue, c'est directement sur les Smilou, sur le côté droit. De nouveau Amin Harit, il est pris au pressing, ils sont quand même très bons. Il y a une vraie équipe et puis il ne laisse pas les Marseillais respirer. Bien joué le retour d'Asdi Nounahi qui ne concède pas la touche et qui ensuite parvient à la récupérer, à la garder et à repasser par Ulysse Garcia et le gardien. Ruben Blanco, l'OM qui repart donc avec son portier espagnol dans les buts. Ruben Blanco, auteur d'une belle première période et notamment de deux gros arrêts qui évite à l'OM d'être mené à la mi-temps. En défense centrale, il y a Léo Balerdi un petit peu à gauche et Chancel Mbemba avec le brassard de capitaine un petit peu à droite. Sur les côtés, à droite, Klose, à gauche, Ulysse Garcia qui touche le ballon là. Et puis ensuite, eh bien, au milieu de terrain, en vrai milieu de terrain récupérateur, Jean Odana. Devant lui, Unai et Harit. Et offensivement, un trio. À droite, il y a Ismaïl Assar. Sur le côté gauche, Chilimane Ndiaye, deux Sénégalais qui encadrent, qui entourent un Camerounais, Faris Moumbagna. Moi, je le vois bien à un moment donné sortir Moumbagna et faire entrer Aubameyang, mon Fabien, dans l'axe, non? Ah ben oui. Ça serait une solution. Attention, parce que là, Sarr est dans la surface. Sarr qui va frapper. Oh, c'est de centre en retrait. C'est contré in extremis par les tacles bretons. Oh, il y a même une faute de Sarr. Ah là. Il aurait dû frapper, Ismaïl Assar. Je t'ai coupé, mon Fabien. Mais il doit frapper sur un coup comme ça. Enfin, il est dans un angle fermé. Le centre, c'est pas mal joué aussi. Mais il y a qu'un joueur de l'OM, c'est Moumbagna. Et ils sont deux joueurs de Brest à revenir là et Sarr qui fait une petite main après. Voilà, c'est ça qui est sifflé. Ah, dommage, la passe de Klose était vraiment magnifique. Voilà. Ouais, c'est dommage, il doit mieux finir. Hein. Ismaïl Assar, effectivement, il doit pourquoi pas tenter sa chance. Mais effectivement, hein, la passe de Klose était une merveille. Alors que justement, il avait plutôt pêché en première période. J'ai trouvé Jonathan Klose, que ce soit sur ses centres ou sur ses passes. Mais là, il a l'air d'être mieux revenu dans ce match, Jonathan Klose. Ah, sur le corner tout à l'heure, il doit faire mieux. Mais il y a un corner et en moins de 3 minutes, une belle passe en profondeur sur le côté là. Allez, Marseillais. Tous ensemble, il faut chanter. Notre équipe va gagner. Allez, Marseillais. Il est là le COP. 550 supporters de l'OM ce soir pour ce déplacement. Et le corner concédé. Que se passe-t-il? Léo Balerdi qui prendra un carton parce qu'il a râlé ou parce qu'il a attrapé un joueur ou mis un ballon effectivement sur la pelouse. J'ai l'impression, en tous les cas, il prend un carton. Léo Balerdi, ouais, il est en train de parler à l'arbitre. Sous le coup d'une éventuelle suspension, il y a Jean Onana notamment. Et attention, le corner, ça semble bien parti. Superbe tête d'Ismaïl Assar. Puis il fait du boulot, hein. Assar ce soir, c'est bien. Lui qui était touché à la main, qui était suspendu en Coupe d'Europe et qui n'était pas en pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, ce soir, si je ne dis pas de bêtises, il n'a plus le bandage autour de son poignet gauche, de sa main gauche. Là, il a bien récupéré. Et on sent qu'il a, comme on dit, un peu
des fourmis dans les jambes, hein, parce qu'il défend beaucoup, il attaque, il donne des solutions. Après, c'est notre Ismaïl Assar, hein. C'est pas la Coupe d'Afrique des Nations qui l'a changé, même s'il était titulaire et qu'il a marqué avec le Sénégal. Il est toujours aussi brouillon offensivement. Mais sur un coup et sur un malentendu, hein, comme c'est la saison hivernale et c'est la saison du ski, sur un malentendu, eh bien, ça peut peut-être le faire. Ah, on est obligé d'en rigoler, hein, mais bon. Ouais. Allez, le pressing de Moumbagna sur le jeune gardien adverse, Grégoire Couder. Le long dégagement. Finalement, dans l'entrejeu, il y a Jean Onana pour la récupérer, mais on est incapable de faire un contrôle et de la mettre au partenaire qui est à 2 mètres. Et du coup, Doumbia accélère là. Jean Onana ne veut pas faire de faute. Doumbia, il est loin. Doumbia, il ouvre à droite. Ils sont dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Doumbia, du plat, du pied, du bout du pied, tente de la remettre. C'est au-dessus. Le joueur prêté par le Stade de Reims, heureusement, il est à la base de l'action. Il a poursuivi avec ce 1-2 géant avec Kenny Lala et vers le point de pénalty. Il arrive, il se jette là. C'est pas simple à réaliser comme geste. Et heureusement pour l'OM, c'est au-dessus. Déjà 6 minutes en première période. C'est lui, hein, Kamori Doumbia. Souvenez-vous, contre Lorient, c'était là il y a quelques semaines, ou c'était peut-être avant. Bah, c'était même avant, c'est certain, parce qu'il est parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça devait être en décembre. Il a mis les 4 buts du succès dans le derby face à Lorient. 4 buts, 4-0 à la mi-temps, 4 buts en fin de première période, 4 buts marqués en 26 minutes. Énorme. C'est pas un titulaire en plus, hein. Il est petit, il est véloce, et il est au taquet là, et il est encore présent à 1m70. Là, il est au milieu de 2-3 Marseillais. Ah, et Jean Onana qui vient lui mettre un coup par derrière. Ah, il va signaler la faute après avoir laissé Monsieur Buquet. Ouais, ça râle de nouveau, mais. Il est bon avec le ballon dans les pieds. Hein. Il court beaucoup, il donne des. Ouais, Jean Onana qui arrive par derrière. Alors c'est pas méchant et tout, mais il doit s'arrêter. Il lui donne un coup de nombril en fait. Voilà, un coup de nombril et ça le fait voler. Alors que Luis Enrique se rapproche du banc. Ça discute entre. Non, j'ai l'impression que ouais, il est venu chercher je ne sais quoi. Voilà, c'est ça. Et ça discute beaucoup entre Gennaro Gattuso et son adjoint, son principal adjoint. Mais non, il est retourné s'échauffer. Effectivement, tout comme Kondogbia, tout comme également Aubameyang. Le coup franc lointain, la touche. Attention, ouais, le ballon touché de la tête. Finalement, c'est sorti et ça revient à 40 mètres sur la tête d'Hugo Magnetti. Et plein axe, Moumbagna peut y aller. Oh non, j'ai cru qu'il partait là. Finalement, plein axe, mais il est au milieu de 2-3 joueurs. Faris Moumbagna, c'est sur le côté. Et là, il s'excentre et ça va revenir avec le pressing sur Chancel Mbemba de la part de Mathias Pereira. Là, je mets l'OM qui fait vite circuler le ballon avec Ulysse Garcia. Le centre venu de la gauche là-bas, c'est sorti par Lilian Brassier. Ah, ça revient à 50 mètres au début, on n'est pas capable de la prendre. C'est directement sur Steve Mounier dans le rond central avec de nouveau ce petit Doumbia là, ce feu follet qui donne à Pereira Lage côté gauche. Le centre de Pereira Lage au deuxième poteau. Oh, heureusement, c'est un peu trop long pour Steve Mounier parce que c'était magnifique. Sinon, dans l'intention, c'était beau. Il manque heureusement la finition parce qu'il y avait seulement Mounier à la pointe de l'attaque sur ce ballon mis par-dessus et on le perd de suite ce ballon là. Ça revient plein axe avec Lismilou sur le côté droit pour un nouveau centre venu de la droite. Ah, c'est concédé finalement par Balerdi avec Ulysse Garcia là-bas qui va quand même récupérer la touche, mais on recule beaucoup, on se met le feu tout seul à mon goût, Fabien Laurenti, et ça, ce n'est pas bon. Ouais, c'est vrai qu'on est en train de subir, hein, côté marseillais en ce début de seconde période. Il va falloir un petit peu resserrer les rangs, remonter un petit peu le bloc et pourquoi pas arrêter de laisser jouer cette équipe de Brest là qui est en train de mettre vraiment son jeu en place et de nous faire mal. Allez, ça repart pour les Bretons. Déjà 9 minutes en seconde période, toujours 0-0, mais vraiment Brest est en train de prendre le dessus là sur l'Olympique de Marseille. Aubameyang qui accélère, qui fait vraiment une montée en régime là sur l'échauffement. Liman Ndiaye pour repartir. Il a glissé Liman Ndiaye. Ouais, c'est rendu du coup à l'adversaire. Plein axe avec Lismelou sur le côté droit. Le 1-2 est joué. Lismelou excentré là-bas. Il s'amuse avec Jean Onana. Le centre. Oh, la tête de Mounier à côté. Là, on est miraculé. Parce que là, on perd des ballons tout bête. On glisse et on laisse les adversaires dérouler leur jeu. Et Lismelou se retourne. Onana, tu fais quoi? Va au pressing là.
On le laisse centrer, la tête de Mounier au deuxième poteau, juste derrière Mbemba. Si elle est cadrée, il y a 1-0. Heureusement pour l'OM, ça passe 5 mètres à gauche là du menton de Ruben Blanco. Mais on les laisse faire, ça se sent, ça se sent, ça se rapproche. Et si ça continue comme ça, je vous le donne, hein, je vous le donne en mille, Brest va ouvrir le score, hein, c'est quand même dingue. Réagissez, réagissez, bon Dieu. Allez, la tête lointaine là, sur ce long ballon. Mais du mal l'OM, comme en fin de première période. Hein. C'est ouais. Brest qui est bien meilleur, mon Fabien. Exactement, exactement. On est en train de, comme je le disais, de vraiment subir. On a reculé un petit peu d'un cran et on est en train de vraiment souffrir. Il va falloir se réveiller côté OM, hein. Sincèrement, il va et falloir... Et voilà, attention, Doumbia. Oh, c'est Mbemba qui sauve sur sa ligne. Il y avait hors-jeu. Heureusement, parce qu'il s'était manqué dans un premier temps Ruben Blanco. Et il y avait une position de hors-jeu, c'était, pardon, Mbemba qui s'était manqué. Ensuite, le duel, le face-à-face avec, il y a bien hors-jeu de Doumbia. Le ballon entre les jambes de Ruben Blanco et qui vient sauver sur la ligne. Chancel Mbemba après son erreur. Et il y avait une position de hors-jeu. Mais, encore une fois, on a chaud. Changement, Aubameyang va rentrer. Il y a besoin de changer des trucs là. Effectivement, Aubameyang qui enlève le haut de survêtement. Est-ce que il y a un autre joueur? Non, je ne vois pas. Je vois Correa là-bas. Je vois Luis Enrique. Non, il n'y a que Aubame qui va rentrer pour le moment. Ce sera peut-être pour Moumbagna. On ne voit pas Illiman Ndiaye en seconde période. Hein. Et là, ils sont en train de nous mettre le bouillon, les joueurs bretons. Sur le côté gauche, Ulys Garcia qui tente la transversale. C'est loin, c'est loin. La tête d'Ismail Assar au duel. Sorti par Brassier, ah, et qui va mettre une longue longue balle, mais seulement à 20 mètres. Klaus peut-être pour le duel, il se fait bouger, il joue pas le ballon dans un premier temps, Jonathan Klaus, ensuite il la récupère et voilà, c'est Doumbia qui prend le meilleur avec son 1m70 sur Unai. Bon, ce sont les deux petits, les deux joueurs les plus petits sur la pelouse, mais bon, c'est symbolique, hein, c'est symbolique de voir comme ça les Bretons nous manger dans les duels. Ah, l'OM n'y est plus, l'OM n'y est plus là. Et Aubameyang qui va rentrer, pour qui à ton avis, Fabien? Ben, après, est-ce qu'on va remettre Aubameyang sur un côté et laisser Moumbagna dans l'axe? C'est peut-être une possibilité aussi. Ou alors ce sera pour Faris Moumbagna et ce sera du poste pour poste. Je vois plus ça, moi, hein, très honnêtement, sachant qu'il a déjà joué aussi quasiment tout le match contre le Shakhtar jeudi. Ouais, je le vois plus comme ça. Je vois plus Moumbagna sortir. Voilà. Mais on va voir si il a une autre idée dans la tête. Gennaro Gattuso. Mais il y a des petits trucs à changer là. Franchement, on recule trop. On est très mauvais dans la relance et tout. Et puis il nous presse sans arrêt. Et là, Ulys Garcia qui va concéder le corner sur un ballon au départ anodin. Très loin là-bas. Une énorme transversale. Et il est pris parce qu'ils en veulent plus que l'OM. Plus que l'OM, les joueurs bretons. La Gattuso fait signe. Non, pas de changement sur le corner. Défensif, Aubameyang y rentrera juste après là. Allez, le corner quasiment à l'heure de jeu. Pour les Pirates là, sur le côté droit, avec ce ballon qui traîne. C'est dévié, heureusement, la tête d'Unai avec Faris Moumbagna pour la sortir. Oh, il y a le contre favorable, heureusement, mais il met ça de l'extérieur du pied gauche, tout ça. Faut s'appliquer. Faut s'appliquer, on perd les ballons beaucoup trop facilement, beaucoup trop rapidement avec une nouvelle vague là. Et Mathias Pereira-Lage qui finalement va s'appuyer sur Hugo Magnetti. Ah, il temporise un petit peu, ils nous font courir. C'était à droite, ça bascule à gauche. Avec cette fois-ci Pierre Lesmelou qui appelle ce ballon une nouvelle fois. Bradley Loco qui veut lui remettre. Il y a Doumbia. Allez, le pressing de Jean Onana. Il faut y aller aussi, Moumbagna. On n'est pas coordonné à l'opposé là-bas. Et Balerdi reste au sol. Mounier, apparemment. Ouais. Ça s'est joué dans le dos de l'arbitre. Le jeu est arrêté. On va regarder ça à la vidéo. Et Ruben Blanco fait signe. Il y a un coup, en tous les cas, de coude. Et il a l'air de se tordre de douleur au niveau de la poitrine. Léo Balerdi, on va revoir ça. Léo Balerdi, dans un premier temps, qui le pousse légèrement là-bas. Ouais, en fait, il fait signe. En gros, il lui agrippe un peu le bras, mais dans le duel, pour monter sur le hors-jeu, pour le mettre hors-jeu. Et avec sa main, il touche fort et il lui enlève les bras. Bon, on va regarder, mais j'ai l'impression qu'il veut le faire un peu dégoupiller, le sortir de son match. Hein. C'est un peu ça, des fois. Et on sait que Léo Balerdi, souvent là-dedans, il est bon.
j'ai pas l'impression qu'il y a un coup de coude. Alors j'ai vu rapidement le geste, mais c'est plus un geste d'énervement de Mounier que lui sortit le rouge. Il lui sort le rouge. Expulsion de l'attaquant de Brest là pour ce coup sur Léo Balerdi. Alors là, pour le coup, c'est pas parce qu'on est à Brest, mais c'est le coup de tonnerre parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. J'ai l'impression que c'est sévère, vraiment. On va revoir ça au ralenti, mais du côté de Brest, on est en train, le staff est en train de regarder sur le téléphone portable de l'un des assistants. Bruno Grougy. Et là, alors c'est Sarr qui sort. Côté OM, on s'est trompé. Je me suis trompé surtout. Tu parlais des ailes, mon Fabien. Finalement, Illiman Ndiaye va passer à droite. Aubameyang côté gauche là-bas. Et Moumbagna plein axe. Aubameyang qui parle à Illiman Ndiaye. Alors attention, hein, ça peut changer, même si on sait que quand on est en supériorité oui, numérique, on n'aime pas, pas souvent. Ça. Hein. Ça ne réussit pas souvent. Mais ça va être quand même un bon coup à jouer pour les Marseillais. Ça va peut-être nous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau parce que ce premier quart d'heure a été un petit peu compliqué. Allez, t'as revu les images ou pas? Parce que très honnêtement, moi je trouve qu'on n'a pas bien revu tout ça. Ouais, on n'a pas bien revu tout ça. Effectivement, après... Juste le temps que vous puissiez analyser tout ça, il y a de grosses difficultés aussi pour le RCT qui subit très largement depuis le coup d'envoi face au Castres Olympique. Et Castres qui vient d'inscrire un essai à l'instant. Ils sont menés 14-0 pour l'instant, les Toulonnais, dans ce déplacement face à Castres. Ah, c'est dur de gagner à l'extérieur en rugby, hein, que ce soit le top 14 ou la Pro D2. Mais là, les Toulonnais avaient l'opportunité, je crois bien, de re-rentrer dans le top 5 en cas de victoire. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Allez, Aubameyang pour son premier ballon. Ah, ça va être intéressant parce que là, mine de rien, il y a une demi-heure. Hein. Une demi-heure, si l'OM ne prend pas de carton, c'est une demi-heure, un de plus. Hein. Et quand on connaît le volume de jeu, son rôle de point d'appui à Steve Mounier, c'est quand même un joueur important au moins côté breton. Hein. Mais je trouve que c'est sévère, très honnêtement. Ouais. Mais Balerdi, là, joue bien, il est malin. Hein. Il est malin, ce Léo Balerdi. Allez, côté droit. Il faut que ça rechange un peu. Vous entendez les supporters de l'OM derrière, là. Et il y a encore des possibilités, mais il faut l'emballer, ce match. Hein. Moi, très honnêtement, faire 0-0 ici, ça ne m'intéresse pas. Hein. Non, ça avancera personne. Exactement. Surtout pas l'OM. Exactement, allez, le centre d'Ounaï vers le deuxième poteau, la tête de Kenny Lala, ça va revenir avec Moumbagna qui va commettre la faute. Ouais, ça sont les fautes un peu bêtes au duel, le Camerounais. Et côté Brest, forcément, on est au sol et on est en train de réfléchir. Alors quand on a un défenseur expulsé, eh bien souvent on fait de suite un changement, mais quand c'est un attaquant, c'est moins le cas. On est en train de revoir comment positionner son équipe, soit la renforcer au milieu peut-être, mais on n'est pas obligé de faire un changement de suite pour faire entrer un défenseur et mettre son arrière-garde en place. Mais il va quand même procéder à un voire deux changements simultanés, j'ai l'impression. Peut-être deux changements simultanés. Eric Roy, il discutait avec son adjoint là, Lachuère, avec Jean Onana pour l'OM. Mais ouais, j'ai l'impression que l'OM s'endort un peu là, après ce carton rouge pour Brest, et au final on est en train de jouer un peu à la baballe, alors que c'est là qu'il faudrait essayer d'accélérer, essayer d'y aller là avec Onana en rampe de lancement dans le rond central sur le côté droit pour Jonathan Clauss. On la cherche, la solution Mbemba, peut-être pour les faire courir un petit peu là, et Léo Balerdi à chaque fois qui est sifflé. L'ouverture côté gauche elle est belle, mais le contrôle est totalement manqué pour Luis Garcia. J'espère qu'il va progresser ce joueur, hein, parce que jusqu'à présent quelle déception. Quelle déception. Oh là là. Directement en touche. Un contrôle de la poitrine. Hein. Ouais. Alors j'ai eu un petit message d'un ami à moi qui me dit oui. Fabien, dis à Bruno que le rouge n'est pas du tout sévère. Il y a eu un bon coup de la part de Mounier apparemment. Ah, je ne l'ai pas trop revu, hein. Très honnêtement. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vu un geste du bras, mais pas le coup de coude dans la poitrine ou à peut-être hauteur de visage. Donc très bien. Très bien, très bien. C'est parfait tout ça. Si en plus on a des amis qui nous aident, c'est parfait, mon Fabien. Ah ben oui, hein. Ils sont là pour ça. Hein. Ah ben exactement, exactement. Hein.
et en plus il nous écoute, c'est magnifique. Exactement. Bruno, moi j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a demandé si tu étais vraiment payé pour commenter le match. Oui, exactement. Exactement. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas piqué. Là. Et là, c'est pas un ami. Allez, Klaus sur le côté droit. Klaus est passé. Non, Lilian Brassé qui intercepte ce ballon là. Et au duel, Mbemba qui concède la touche. Ouais. Alors que c'était quoi, Fabien, toi, quand tu jouais, les primes de match, c'était uniquement 4 victoires ou il peut y en avoir en 4 matchs nuls? Ah non, selon les matchs, il y en avait en tant que match nul aussi, mais. Il y avait des primes sur les matchs nuls. Ah oui, selon où on jouait, oui, bien sûr, selon où on jouait. Alors à l'OM, sincère, pour être honnête avec vous, je m'en rappelle plus trop bien. Mais dans les autres clubs, oui, à l'OM, après je suis pas certain que le match nul, peut-être lors d'un classico éventuellement ou d'un gros match, mais quand on joue à l'OM, on ne veut que la victoire, bien entendu. Eh bien, c'est ce que nous espérons. Ouais, ce qu'il y a, mon Fabien, c'est que par rapport, alors je suis un peu désolé de le dire, mais c'était quand? Vas-y. Non, mais il y a quoi? Il y a 10 ans? Ah, plus que ça. L'OM, c'était 2001-2002. Non, mais l'OM, c'était il y a 20. Ouais. Et là, même encore, quand tu jouais chez les pros, parce qu'il y a eu une évolution à un moment donné, il y avait surtout les primes de victoire, effectivement. Et de plus en plus, on est passé à la prime au point. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on regarde le nombre de points pris par une équipe. Exactement. Et je sais pas, voilà, moi, ça m'est arrivé, certaines équipes, 1000 euros le point, par exemple. Si à la fin du mois, il y a 3 victoires et un nul, ça fait 10 points. Ben, ça fait 10 000 euros, quoi. Voilà. Il y a des clubs où ça fonctionne aussi comme ça. C'est ça, exactement. Et puis, c'est vrai. À l'OM, c'est peut-être plus, mais voilà, c'était aussi au point. Et voilà, donc, il n'y a pas que la prime de victoire que si on gagne, en fait. Voilà, c'est ça. Admettons qu'il y ait, je sais pas, 5 matchs dans le mois et qu'il y ait 5 points de prix, et ben peut-être que ça donnait zéro, quoi. Parce que le président voulait des victoires. Faut voir ça. La frappe, Ruben Blanco qui la prend. La frappe de Satriano qui est rentré effectivement à la pointe de l'attaque sur les changements bretons. Donc voilà, mais là franchement on a envie d'aller la chercher parce que ça pourrait vraiment relancer l'OM, un OM en plus pas terrible ce soir depuis l'entame de cette seconde période et l'OM qui a un de plus hein, et très honnêtement ça fait combien 7 minutes, alors il y a eu le changement des bretons mais on ne le voit pas. Hein. Le fait que l'OM soit en supériorité numérique pour le moment. Non, et c'est ce qui est un petit peu dommage parce que ce serait justement aux Marseillais d'aller emballer ce match. Hein. Quand on est en infériorité numérique comme ça, on va devoir faire beaucoup plus de courses. Donc aux Marseillais de mettre un petit peu plus de rythme. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est compliqué. On n'a pas l'impression que les Brestois soient à 10. Ah, et bien joué encore Ruben Blanco. Là, je fais que de vous citer Ruben Blanco. Hein. Heureusement que je vous ai raconté un peu l'histoire de Grégoire Coudert, le jeune gardien breton. Pour sa première en tant que titulaire en Ligue 1, parce qu'il n'a pas eu un arrêt à faire. Hein. C'est quand même dingue, après 68 minutes. Hein. Et c'est l'OM qui est à Brest. Hein. Et ça, moi, ça me gonfle. Vraiment. Allez, Jonathan Klaus, qui a le maillot là, qui bouge, parce qu'il y a un joli vent, ici en bord de mer, dans le Finistère. Le seul endroit quand même en France, hein, on en parlait hier sur France Bleu Provence avec Fabien Ledu. Le seul endroit en France, le seul département en vert sur la carte, vous savez, des allergies. Il y a les allergies en ce moment qui reviennent malheureusement un petit peu plus tôt que prévu avec les douceurs. Iliman Ndiaye qui va peut-être y aller. Et la frappe de Garcia, elle partait bien. Oh purée, dommage. Et c'est un joueur adverse qui l'a prise parce qu'il paraissait battu le gardien. Voilà, vous voyez, quand on les critique un peu les joueurs, il se réveille. Elle était magnifique, sa frappe du gauche de Garcia, elle partait bien. Et du coup, c'est le seul endroit vraiment où eh bien, on est en vert, je vous le disais, sur la carte des allergies. Et je disais tout à l'heure, c'est quand même peut-être un signe pour l'OM, qui est allergique à la victoire en ce moment, de venir ici dans le Finistère. Peut-être que ça va créer un déclic. Mais bon. Pour ça, il va quand même falloir montrer autre chose sur la vingtaine de minutes qu'il nous reste là. Le centre en retrait? Non! Au-dessus, heureusement! Il est tout seul! Mathias Pereira-Lage! Ils sont en deux mois, les pirates! Et ils nous mettent le bouillon encore une fois, c'est quand même dingue! Le centre de Magnetti, Pereira-Lage est seul, il oublie Jonathan Klaus en retrait là! Et sa reprise de volée, heureusement, elle est écrasée, un rebond et elle passe au-dessus! Début de Ruben Blanco, mais on ne peut pas, Fabien, on ne peut pas se permettre de jouer comme ça en étant un de plus. C'est dingue. Et on a encore 5 contre 3 dans la surface de réparation, un petit peu la même configuration quand on reprend le second but
au Shakhtar là, et c'est vrai que heureusement qu'il nous la met au-dessus là, parce que encore une fois Jonathan Clauss il est à la rue, hein, sur le marquage, totalement absent. Et heureusement qu'il écrase sa reprise de volée vers le sol et que le ballon passe au-dessus de la barre transversale de Blanco. Mais c'est pas normal, hein, de se retrouver dans ces situations-là en supériorité numérique. Il faut qu'on soit beaucoup plus proche des Brestois. Et là, en l'occurrence, on est beaucoup, beaucoup trop loin, notamment Jonathan Clauss. Ouais, sur le côté gauche, là-bas, Garcia qui se manque encore, là, qui veut la prendre alors qu'il y avait Aminari dans le coup. On joue trop facilement, trop simplement, là, c'est dingue. Accélérez, prenez des risques, là. Un nul, ça ne nous arrange pas, un nul. On resterait à combien du côté de l'OM? À 7 points. 7 points de la 3ème place. Voilà, c'est peut-être là que ça se joue, là. C'est peut-être là que ça se joue. Profitez des contre-performances de Monaco, battu par Toulouse, là, aujourd'hui. De Nice, battu par Lyon, en ouverture de cette 22e journée de Ligue 1, vendredi soir. Les Niçois, pas vernis avec l'arbitrage de Monsieur Turpin à Lyon. Et non. Il y a un resserrement au niveau des équipes de tête entre les Lille, les Lens, le centre peut-être là de Clauss, et c'est directement dans les gants de Grégoire Coudert. Mais voilà, on sait au moins qu'il y a un gardien à Brest. Ben magnifique, magnifique. Et il faut attendre la 71e minute pour cela. Mais malheureusement, cette année, Bruno, excuse-moi, je te coupe, mais on n'a jamais su profiter de justement ces situations dont tu nous parlais, hein, de pouvoir rattraper les équipes de tête, parce qu'il y a eu beaucoup de faux pas, hein, de ces équipes-là. Oui. Et puis malheureusement, à aucun moment, on en a profité. Non, mais tu as raison, Fabien. Et ça, c'est aussi symptomatique. Hein. Ça veut aussi dire quelque chose, bien évidemment, hein, de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et c'est ça qui est dingue. Parce que Nice, qui est deuxième pour le moment, Nice a quand même perdu 5 fois. Hein. Eh ben oui, c'est ça. Tu vois, Monaco, ils ont 6 défaites, Monaco. 7 points de plus que l'OM, 6 défaites, eh oui, tu vois. Exactement. Donc, et 6 défaites en étant 5e, et le reste des matchs, hein, pour encore en perdre. Hein. On n'est pas si proche de la fin, quoi. Hein. Donc, non, c'est un championnat bidon, mais nous, on est dombis. Mais clairement, quoi, hein, c'est quand même dingue. Allez, Aubameyang, pourquoi pas croire à l'impensable Aubameyang, mais voilà. Allez, encore une fois, c'est à l'image de ce match. C'est quand même dingue. Il est le long de la ligne de but là-bas. Entre le poteau de corner et la ligne de but, il veut déborder. Il part directement, carrément derrière les buts, quoi. Voilà. Allez, le Doiron qui va rentrer, remplaçant Pereira Lage pour cette équipe de Brest. Il aura beaucoup couru, hein. Mathias Pereira Lage, l'ancien joueur notamment de Clermont. Une ou deux occasions pour lui, et notamment celle juste avant la mi-temps et le gros arrêt de Ruben Blanco. Kondogbia va rentrer, Luis Enrique. Voilà, je vois l'un des adjoints de Gattuso qui fait signe. Venez vite. Voilà, double changement. Mais il a raison, il faut faire quelque chose. Là, Gattuso qui demande encore à ses joueurs là, de faire des efforts, de venir. Et ça se parle entre Clauss et Mbemba. Et Clauss qui commet la faute sur le Doiron qui vient d'entrer. Attention, Jean Onana. Ah, il va la signaler cette fois-ci. Allez, faut mettre du rythme avec Illiman Ndiaye là. On ne l'emballe pas ce match encore une fois. 73e, ça fait 13 minutes. Il y avait faute, hein, de Clauss sur. Il y avait faute de Clauss sur le Doiron. Allez, Unai dans la profondeur. Mumbanya, c'est bien joué ça. Le décalage est bon. Sur le côté gauche, Garcia qui tergiverse, qui attend trop. Unai, c'est par-dessus Clauss là-bas. Et dans la surface, oh là là, Mumbanya est resté au sol. Va-t-il se relever, Illiman Ndiaye? Ouais, l'arbitre qui arrête. Et Mumbanya qui a énormément d'herbe sur ses crampons. Que s'est-il passé? Il fait l'appel de balle, je le vois là. Ah ouais, il y a Lesmelou qui fait un croche-pied, mais totalement involontaire. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Et Mumbanya est en train de se relever, mais ça fait un arrêt de jeu. Et c'est dommage parce que l'OM aurait pu avoir un centre in fine sur cette action-là. Et dommage. Allez, vers le COP là, et vers le parquage des supporters de l'OM, les 550, avoir fait le déplacement. Ouais, ils sont en train de chanter l'OM va gagner. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Si ça se poursuit comme ça, on sera loin de tout ça. Mais double changement à venir.
Voilà les consignes de Pancho Abbandonado pour Kondogbia et pour Luis Enrique. Est-ce qu'il peut changer, basculer à deux attaquants de pointe? Ça peut être aussi une solution, faire entrer Liman Ndiaye aussi dans l'axe par exemple. Ouais, mais après vu d'après son discours ou Aubameyang hein. D'après son discours où il est entièrement contre de changer de système, alors en cours de match, je sais que c'est pas pareil mais moi j'aimerais, non, surtout j'aimerais sincèrement que... hein, j'aimerais qu'il change un petit peu ce 4-3-3 là parce que je sais pas si tu en as parlé Bruno avant le match, il y a une stat qui est sortie en 4-3-3, l'OM a pris 0,8 points par match et en 3-5-2 2,2 points par match. Donc trouve cette stat assez hallucinante quand même et ça devrait quand même lui parler mais apparemment il s'en fout. Notre ami Gattuso donc on va voir comment ça va se passer mais c'est vrai que c'est dommage de s'entêter comme ça là sur un système qui ne marche pas. C'est dommage. Après, moi, je me dis qu'il peut. Harit qui sort. En fait, il peut. Harit qui sort, Luis Enrique qui va rentrer. Je me dis qu'il peut jouer avec deux attaquants et Unai qui sort aussi. Mais en rentrant avec. Il y a un changement de schéma, peut-être offensif, passer peut-être en 4-4-2 par exemple. Hein. Voilà. Ça va peut-être être ça. Hein. C'est ça, j'ai l'impression. Voilà. Aubameyang qui va se resserrer peut-être avec Moubagna. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'espérais. Je me disais, peut-être remettre Aubameyang ou Ndiaye dans l'axe et ça va terminer comme ça. Voilà. Parce que, c'est ce que je voulais dire avec Luis Enrique qui est lancé, c'est surtout parce que l'adversaire est à un de moins. En bien fait, sûr, hein. Bien sûr. On prend des risques comme ça. C'est surtout ça que je voulais. Hein. Complètement. Voilà. Et puis on va se retrouver peut-être aussi avec une ligne de 4 hein, offensivement. Et c'est vrai que ça va forcer Brest à reculer encore plus. Et effectivement. Ouais. Pour voir pourquoi pas les mettre en difficulté. Non, parce que, enfin, soyons honnêtes, la saison, on ne sait pas trop comment elle peut terminer. Enfin, imaginons que l'OM gagne tous ses matchs, mais il faut être fada pour le penser quand on voit encore la prestation de ce soir. Mais si il peut y avoir une bascule dans la saison, ça peut être ce soir. Là, il reste un quart d'heure pour aller gagner ce match, revenir à 5 points du podium. Ça peut relancer une équipe, mine de rien, ça. Ah ben c'est clair, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que, plutôt que de rester encore à 7 points, rester 8e, se dire, purée, mais c'est quoi, on est 8e là, si loin. Alors on resterait 8e, hein, avec 2 points de plus. Mais par contre, coller aux autres. Exactement. Et la semaine prochaine, réception de Montpellier, quoi, avant d'aller à Clermont. Et là, ça peut se rapprocher, avant de jouer tous les gros. Donc, c'est peut-être là que ça se joue, sur les 15 minutes qui arrivent. Et c'est pour ça, et Gattuso a raison, de prendre des risques un peu... En terminant avec deux attaquants et notamment Aubameyang qui a vraiment un attaquant de pointe et Moumbagna qui décroche un peu, qui vient sur le côté. Allez, Chancel Mbemba, parce que nous y sommes hein, déjà 13 minutes encore à disputer, donc nous y sommes dans le dernier quart d'heure avec Kondogbia qui est rentré, qui a pris le brassard de capitaine par-dessus ce ballon d'Onana, c'est directement pour le gardien et Chancel Mbemba qui a donné le brassard à Kondogbia qui dit les gars on reste haut. On reste très haut sur le terrain là. Et le jeune Couder qui va relancer le gardien après avoir pissé ce ballon. Il va le laisser au sol et l'envoyer très loin sur Satriano. La tête de Balerdi. Satriano, il est un peu plus petit que Mounier. Ah, c'était le Doiron. Et le Doiron est aussi grand, effectivement. Mais Satriano, il est un petit peu plus petit que Mounier. Mais c'est intéressant aussi le duel. Et attention, Satriano là qui vient prendre le ballon et le faire reculer. Alors que Jonas Martin est rentré aussi côté Montpellier. Allez, Kondogbia à la transversale à l'opposé là-bas. Au duel. Et ouais, Luis Enrique qui la laisse sortir. Allez, un aux armes pour booster les Marseillais là. Et vous avez quelques sifflets parce que les ultras ne sont pas là. Ce sont les autres tribunes de Francis Leblé. Qui siffle. Et on parlait tout à l'heure du RCT ici, vous savez, à Mayol, il y a des supporters qui voient le match depuis leur appartement hein, juste à côté qui surplombent la pelouse du stade Félix Mayol. Et bien c'est un peu le cas ici là hein. C'est un peu le cas ici avec derrière la tribune où se trouvent là notamment les Marseillais. Et bien un immeuble là de quoi de 6-7 étages et je vois les lumières allumées, là les volets ne sont pas fermés alors qu'il fait bien nuit à 22h et 20 minutes et en fait voilà on voit même des gens au balcon, là c'est assez sympa. Quand ne pas payer son abonnement pour suivre la saison de son club à domicile. Alors c'est pas la meilleure des vues mais on voit mieux que dans certains stades de Ligue 1. Hein. C'est pas mal, c'est rigolo. Brest qui aura un nouveau stade hein, dans 3-4 ans.
plus près de l'aéroport, un stade tout neuf, plus petit, enfin pas très grand, mais totalement neuf et avec les dernières technologies, tout ça, notamment en termes de respect de l'environnement. Allez, Liman Ndiaye dans la surface avec ce ballon, peut-être ce ballon va être mis en retrait, la tête ou pas, non, au deuxième poteau, on n'y arrive pas, il y avait une position de hors-jeu. On n'arrive pas à se créer des occasions, c'est quand même hallucinant. C'était pour Aubameyang là, on ne va pas y arriver, hein. Mais très honnêtement, moi j'ai la forme, je peux vous commenter le match jusqu'à demain midi si vous voulez, mais je ne suis même pas certain qu'on marque. Ça c'est sûr. On a l'impression que comme tu dis, on a beau jouer 8 heures de suite, le résultat sera le même. On ne fait pas les bons choix, on n'a pas le bon feeling quand on est devant le but. Et c'est le résultat, malheureusement, est constamment le même. On est vraiment. Parce que là, Aubameyang, Fabien, impuissant. Il met le bout du pied quand même. Hein. Et son ballon, il est bon, il est juste contré par le tacle adverse. Le seul problème, c'est qu'ils en veulent plus que nous. Exactement, toujours la demi-seconde de retard. Et c'est ce qui fait de la différence, hein. Ce sont les petits détails. Et dans l'engagement, et que ce soit devant le but ou dans notre propre surface, ben il nous manque chaque fois le bon geste avec l'envie, la hargne qui fait que la différence sera faite. Comment l'expliquer ça ? C'est vraiment dans les têtes, hein ? Ben, c'est dans les têtes, bien sûr. Hein. On a un OM qui est malade, on a un OM qui doute, hein, qui doute profondément. Et malheureusement, quand on accumule les résultats comme ça, les matchs sans saveur, les matchs nuls, ben c'est beaucoup, c'est très très compliqué, et encore plus ici à l'OM, hein, de se relever quand on n'a pas des joueurs de caractère, c'est compliqué. Et il y a le Shakhtar dans 4 jours. Imaginez s'il y a une élimination. Ah, me parle pas de malheur là. Ne me parle pas de malheur. Hein. Non, mais j'ai 6 mois de vacances à poser là, 6 mois en retard. Je crois que. Ah ouais. Ah là 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 là. C'est dingue tout ça quand même. Allez, Klaus, remonte-moi ça. On est quasiment au poteau de corner côté OM. Avec Jean Onana qui va nous mettre un ballon plein axe vrillé là. Ouais, heureusement que Garcia la protège bien, mais on reste aux abords de la surface de réparation de l'Olympique de Marseille. Alors qu'on vous le répète, hein, l'OM à la 82e minute, il y a 0-0, est à un joueur de plus depuis maintenant 20 minutes, l'expulsion de l'attaquant Steve Mounier. Et sur le côté droit, il y a Jonathan Klaus. Et qui saute pas n'est pas marseillais. Vous l'entendez dans ce petit vélodrome presque là. Et ce ballon récupéré par Léo Balerdi dans la surface de réparation. On vous le répète, en plus, Ruben Blanco, il a réalisé 2 gros arrêts, hein, en première période. Mumbagna en point d'appui, dos à la cage. Faris Mumbagna sur le côté gauche. Le centre peut-être de Luis Enrique. Il y a des maillots bleus dans la surface. Et c'est finalement un joueur vêtu d'un maillot rouge qui sort ce ballon de la tête. La relance là-bas, côté droit. Et ouais. Et Léo Balerdi qui va concéder la touche, malheureusement. Dommage. Ruben Blanco va vite la remettre là-bas. Ah là là, on perd du temps. C'est dingue. Et on a du mal à mettre vraiment un petit peu plus de rythme dans ce match. Vous allez voir que c'est Brest qui va encore en avoir une ou deux. C'est dingue, hein. On n'a pas l'impression qu'ils sont un de moins, hein, avec Jonas Martin sur le côté droit. Pour le Cardinal, le centre de le Cardinal. Ah, il est totalement manqué. C'est derrière les buts de Blanco et donc derrière les buts de l'Olympique de Marseille. Ruben Blanco qui se précipite pour tenter de la reprendre. Oh là 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 là. C'est tristoun, hein. C'est tristoun. Est-ce qu'il y a une occasion? Est-ce qu'il y a une occasion pour l'OM, très honnêtement? Où on se dit waouh! Le gardien adverse fait un arrêt ou machin, il n'y a rien. De toute façon, comme tu l'as dit, Bruno, hein, c'est le premier match en Ligue 1 du gardien brestois. Et sincèrement, je pense qu'il a passé une soirée autre que tranquille. Hein. Je crois qu'il a touché un ballon ou deux, hein, c'est tout. Et encore, c'est pas normal. Quand on sait qu'il y a un novice comme ça dans les buts, on doit essayer de tout faire pour justement le mettre en difficulté. Et là, sincèrement, l'attaque marseillaise a... Ben, n'a vraiment pas été à la hauteur ce soir. Hein. Confirmé, 0 tir cadré, officiellement statistique enregistrée. C'est dingue. 3 tirs non cadrés pour l'Olympique de Marseille, 9 pour le club de Brest et 4 tirs cadrés pour le stade brestois. On en est là, à compter les tirs cadrés.
Je dirais qu'il y en a peut-être un de tir cadré pour l'OM, mais je ne suis même il pas. Il n'est pas enregistré, je vous confirme. Pas. Il n'est pas enregistré, ouais, ouais. Allez, il va y en avoir un d'ici la fin, peut-être. Et imaginez qu'il soit cadré. C'est-à-dire que si tu veux marquer un but, tu es obligé de passer par là, c'est ça le problème. Ah ben, je crois bien, mon Lolo. Ah, je bien crois ça, bien. Si j'en crois, mes connaissances footballistiques. Attention, hein, c'est déjà arrivé avec Villas-Boas. Je me souviens, c'était à Strasbourg. Il y avait un tir cadré pour l'OM, deux buts. Un truc comme ça, je sais plus où c'était. Et on avait rigolé de ça, mais voilà, ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais peut-être là. Allez, peut-être qu'un peut suffire. Oh purée, même là, on n'a pas le contre-favorable. Aubameyang a failli se retrouver plein axe avec Kondogbia maintenant. Kondogbia pour le centre, la tête de Loco, juste devant Illiman Ndiaye. À 20 mètres, Klos pour la récupérer. Mais ils sont bien en place, les Bretons, là. Mais s'il n'y a pas un seul tir cadré ce soir, c'est quand même. En ayant joué la dernière demi-heure, un de plus. C'est quand même malheureux. Hein. C'est quand même malheureux. Allez, sur le côté gauche, on s'applique sur le centre. Là, il y a du monde au deuxième poteau. La reprise de volée. Oh, elle est trop écrasée, là, d'Illiman Ndiaye. Et le gardien s'en saisit. Ah. Oh, ça aurait pu faire une belle tir cadré. Hein. Rien qu'un tir cadré, on serait satisfait. Quoi. Même pas certain. Même pas certain que ce soit cadré. Le problème, vous imaginez, là, sur les réseaux, et on le voit bien également avec tous nos appels et votre concours de pronostics. Voilà, on a une équipe en dessous de tout, hein, c'est ce que pensent les supporters et les auditeurs ce soir. On ne sent pas de haine, d'envie, de combattre, de partir comme sur une conquête de cette deuxième mi-temps, avec pourtant tous les avantages pour l'Olympique de Marseille. C'est bien résumé, mon Lolo. C'est bien résumé, mais les supporters se trompent rarement. Et ils seront encore plus de 60 000, hein. Ouais. Jeudi, hein, et le cas Gattuso qui enflamme le réseau encore une fois ce soir. Ouais, ouais. Après, très honnêtement, là sur la fin de match, il prend les risques. Hein. Moi, je trouve bien qu'ils finissent avec deux attaquants axiaux, Aubameyang et Mumbanya. Voilà, là il est au plus près de ses joueurs. Mais après, voilà, techniquement, tout ça, c'est pas lui. C'est pas lui qui est sur la pelouse. Après, il y a des choix d'hommes, il y a tout ça. Attention, hein. Mais bon, là, je sais pas. Je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à Gattuso. Oui, c'est ça, là, parce que souvent quand on change d'entraîneur, il y a un déclic. Imaginons, allez, au pire des cas, il y a un déclic, soi-disant psychologique, etc. Fabien, vous l'avez vécu. Mais là, les moyens dont dispose l'OM ne peuvent pas être révolutionnés qu'à travers le changement d'un entraîneur, pour faire simple. Non. Ben c'est tout un effectif. Hein. Il y a eu des mercato de fait, il y a eu des erreurs de commises, donc sur certains joueurs qui font que. Forcément, le groupe marseillais n'est pas assez homogène, n'est pas assez compétitif pour pouvoir remplir les objectifs souhaités par les amis. Oui. On va marquer les amis. Ah. Les amis, on va marquer. Luis Enrique côté gauche pour Aubameyang. Aubameyang, la frappe du gauche sur la parade. En deux temps, il arrête ce ballon. Le gardien sur cette contre-attaque là à la suite de ce corner. Ah, il y avait mieux à faire. Luis Enrique, il a attendu l'appel d'Aubameyang alors qu'il y avait Mumbanya côté droit. Ouais, c'était chaud. Ah, Aubameyang, son contrôle n'est pas bon le premier. Après, il frappe du gauche, il se remet sur le côté gauche, mais son premier contrôle n'est pas le bon. Malheureusement, il frappe ensuite en l'air à hauteur de tête là sur le gardien. Et le Grégoire ballon de Luis Enrique aussi, il n'est pas bon. Il n'est pas dans la course totalement. Ouais, ouais. Aubameyang est obligé de freiner un petit peu sa course, donc il perd du temps. Il avait d'autres opportunités. Ouais, ouais, il doit aller fixer un petit peu plus et lui met un petit peu dans le dos. Et une demi-seconde de perte de temps là pour Aubameyang, c'est suffisant pour faire revenir Lala sur ce coup. C'est dommage parce qu'il y avait une 4 contre 2 à jouer là. Ah ben bien sûr. Et attention là, c'est Brest, la frappe dans la surface, Lesmelou. Eh ma foi, vous êtes bidon. 1-0 pour Brest. Et voilà. Ça me gonfle. C'est incroyable. Ouais, j'ai même plus envie de parler. Vous nous dégoûtez. Vous pouvez. Ben, ne dites rien quelques instants parce que je crois que là, la messe est dite. Hein. 84e minute. Et Brest, il s'est promené. Il se balade, excentré. Comment c'est possible de défendre comme ça? Il y a l'OM juste avant. Hein. Mais comment c'est possible de défendre comme ça? De se tourner dans la surface de réparation en étant un de plus? En étant dans la situation où se trouve l'OM, comment c'est possible de défendre de l'OM, comme ça? On joue à la baballe entre Garcia et Onana. C'est on incroyable. S'arrête. Et le gars, il récupère le ballon. Là, on remet dans l'axe avec Garcia. Mais changez-le-moi, ce joueur. Et ensuite, les petits slaloms de Lesmelou. Et entre les jambes de Ruben Blanco, qui ne peut pas faire des miracles à tous les coups.
dans un angle fermé. Mais ils méritent, les Bretons. Ils se sortent les doigts, eux, au moins. Qui c'est qui se tourne, là, comme... Faut que je regarde, là, parce que c'est... Ah, c'est Balerdi, il se laisse... Mais c'est Balerdi, mais il parce se laisse... que c'est dans la zone de Balerdi, là-bas, c'est... côté mais gauche. Mais c'est hein. fou, de... il s'arrête totalement, il défend même pas. Ah, c'est ouais. dingue. Oh là là, c'est fou. Rentrée de Correa. Et sur une touche, en plus. Rentrée de Correa pour terminer avec 25 attaquants, voilà. Sur une touche à nous, en plus. Hein. Oh là là. Non mais la touche, c'est ce que je disais. Garcia. C'est incroyable. Garcia et Onana qui sont des passes. Alors qu'il faut mettre le ballon devant. Mais non, on veut jouer des 1-2, des machins. Mais on se croit, mais à la plage l'été. Dingue, hallucinant quoi. Petite équipe du milieu de tableau, il y a encore. On peut se poser la question et vous imaginez toute la frustration que nous avons et la déception est grande, évidemment, du côté des supporters. Je crois que là, ce soir, ça va signer un coup d'arrêt quelque part. Hein. Non mais surtout, à un de plus. À un de plus. Inutile de le dire. Il serait neuf, ça serait pareil. 5 minutes de temps additionnel. Ouais, Pablo Longoria, il est au fond de son siège. Au fond de son siège, à côté de Mehdi Benassia. On voit le visage très marqué de Gennaro Gattuso. Bah oui. Ah ouais, mais à un moment donné, mine de rien, il va y avoir de plus en plus de pression. Hein. Oh bah, très clairement. Hein. Ah bah oui. Même si on le disait il y a quelques minutes, voilà, qu'il ne pouvait rien, mais il est évident qu'il va se passer des choses. Hein. La spirale plus que négative est là enclenchée. On parlait de mini-crise. Allons-nous rentrer dans une réelle crise ? Et vous entendez là sa chambre, ils sont où les Marseillais ? Et Gattuso, là, il y avait un gros plan sur Gattuso. Il est désabusé, mais alors un regard dans le vide là, du technicien italien. Il n'y est plus. Ah ouais, là, il n'y est plus. C'est pas un coup de marteau qu'il a pris sur la tête plus. Là. C'est fou de chaque fois faire les mêmes matchs, les mêmes prestations. Qui nous arrive chaque fois les mêmes scénarios, c'est dingue. Pitoyable. Voilà. Allez, Kondogbia. Ouais, on va même pas aller chercher le corner, ce sera une remise en jeu. On voudrait bien modérer les propos encore une fois hein, ce soir. On n'est pas là pour prendre le parti, mais enfin vous êtes là vous pour dire la vérité de ce que malheureusement on voit et que l'on ne peut que constater ce soir en direct sur France Bleu Provence. Vous qui n'avez pas les images, on est là aussi pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Depuis Brest, Bruno. Ouais, ben là, les joueurs bretons, ils sont aussi malins. Hein. Ils jouent le haut du tableau. Et du coup, deuxième. Kenny voilà Lala deuxième. Qui ouais. fait signe qu'il a des crampes. Et ensuite, je crois bien que c'est Bradley Loco. Donc, on leur tire les crampes à tous ces joueurs. Il va y avoir une remise en jeu. Et ils auront gagné une minute. Mais à un de moins, c'est toujours ça de prix. Même si l'arbitre a dit « mon chronomètre est là ». Garcia, ouais, on revoit la touche là. C'est, ils veulent jouer des 1-2, remettre des ballons dans l'axe. Ouais, c'est Balerdi qui ne veut pas faire faute. Alors il arrive sur lui, il lui fait crochet extérieur, mais ah non, c'est, il rentre beaucoup trop facilement. Bah dedans. Oui, beaucoup franchement, trop facilement. Tu te mets en recul frein, tu recules, tu essaies d'accompagner le joueur. Là, il s'arrête, il défend pas. Ouais. Et attends, sincèrement, à chaque fois, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. L'attitude comme ça, ouais, il se laisse effacer comme ma foi, je sais pas. C'est ouais. difficile d'analyser des comportements comme ça alors qu'on est dans le dur, alors qu'on devrait vraiment se retrousser les manches et aller au combat jusqu'au bout. Non, on est un de plus et puis on jette les armes, voilà, c'est fini, on s'en fout. Mort pour mort, ben voilà, c'est pas grave. C'est l'impression que j'ai là, sincèrement, très très compliqué. Et pourtant, vous êtes modéré encore une fois et plus que tolérant, hein, Fabien Laurenti. Bah, il faut. Après, j'ai été à leur place sur le terrain, mais bien moi, ce qui me dérange, c'est plus l'attitude. Ouais. Là, c'est bon. Alors là, ça tombe sur Balerdi parce que c'était mon poste et que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ce genre d'action à ce moment du match. Ouais, ça faisait longtemps quelquefois que vous nous avez pas fait une balardette, si j'ose dire. C'est ouais, mais chaque fois c'est pour ça que ça m'énerve parce que chaque fois je dis c'est pas un mauvais joueur Léo Balerdi, mais chaque fois qu'il fait une bourde ou ça nous coûte un but ou alors c'est cher. Carton rouge ou alors ça très nous coûte cher. Très très cher. Alors là attention, il est allé chercher l'expulsion du gardien de l'attaquant adverse hein, dans le match. C'est pas le seul même responsable si hein. Attention ouais. parce que sur la touche on mais perd c'est... le ballon, on doit pas le perdre le ballon sur la touche hein. Ah ben moi je suis plus scandalisé voilà. Fabien, tu as raison, par Garcia et Onana. Voilà exactement sur la touche, hein. Bien entendu hein, donc ça part de là hein,
au départ. Même si Balerdi doit mieux défendre, effectivement. Mais on doit au moins accompagner, essayer de fermer l'angle, essayer de, d'empêcher. On ne doit pas se tourner, limite tendre un petit peu le pied comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on défend. Quand on est défenseur, voilà, faut avoir une attitude. Et là, en l'occurrence, Balerdi ne l'a pas du tout eu. Mais voilà, c'est pas le seul, bien entendu. Sur une touche comme ça, dans notre camp, on ne doit pas se permettre de faire ça, quoi. C'est pas possible. Allez, 1-0 pour Brest, on est dans le temps additionnel. Les supporters de l'OM qui ont presque déjà enlevé une partie de leur drapeau là. Et un long dégagement de nouveau. Et on va devant avec Correa, avec Aubameyang, avec Mumbagna. Se termine à 3 attaquants axiaux. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut changer. Gattuso est debout devant son banc là-bas sur le côté gauche avec Garcia. Un nouveau centre, Garcia. Ce ne sera même pas un corner. Ils ont la réussite. C'était dévié devant par Correa et c'est le gardien qui la récupère. Je vais regarder un petit peu là Rudy Buquet sur ses dernières minutes. Allez, il va le dégager très haut, très loin ce ballon, le gardien Grégoire Coudert, et ça revient quasiment dans le rond central là avec le cardinal sur le côté droit là-bas et Luis Garcia qui veut la récupérer, qui va obtenir le coup franc quasiment à hauteur de la ligne médiane. Il va même sortir un carton pour le cardinal, un carton jaune, l'arbitre de ce match. Elle est peut-être une dernière pour l'OM, tenter d'égaliser, on ne sait jamais. Un long ballon de Luis Enrique dans la surface de réparation, Mumbagna, le contrôle de la poitrine. Ouais, mais ça les autres savent le faire, mais nous on n'y arrive pas. Klose pour la récupérer à 25 mètres côté gauche là, de nouveau avec Luis Enrique qui va décaler Mbemba sur le côté droit. Il y a je ne sais combien de maillots de l'OM dans la surface. Klose au deuxième, la reprise de volée de Klose, ça traîne avec Correa. Ouais, ben voilà, c'est en retrait pour Klose, c'est dégagé par la défense adverse, récupéré par Ruben Blanco. Balerdi qui va en remettre une. Il va y avoir du temps additionnel encore, hein, parce qu'ils ont joué tout à l'heure avec la tête. Oh purée, il la sort sur la ligne, la tête d'Aubameyang, le gardien il la bloque en reculant. Et manifestement, sans qu'elle ait franchi la ligne médiane, cette déviation de la tête d'Aubameyang, ouais, largement, hein, elle est largement devant la ligne, sans qu'elle ait franchi la ligne de but. Et il va encore la garder, et cette fois-ci, c'est terminé. L'OM qui s'incline à Brest, 1-0, en ayant joué la dernière demi-heure, un de plus. Ça ne nous réussit pas, s'il nous réussit surtout pas côté OM, c'est de jouer au ballon. On ne sait pas faire, on est bidon. C'est lamentable, messieurs. Vous êtes lamentable. Bruno, et moi, ça me gonfle. Bruno, récupérez votre souffle et on peut vous comprendre. Et tout le monde partage le même avis, bien sûr. Guy Casadamon, que je salue, notre chroniqueur également. J'ai rarement vu, il a fait 30 ans au service de l'OM, rarement vu jouer l'OM aussi mal depuis autant de temps. On touche le fond. Voilà, je crois que tout est dit. C'est dingue de les voir comme ça. Et là, ils sont à gare sur le terrain. Et c'est l'adversaire qui est en train de faire la fête et tout. Deuxième, enfin, deuxième, voilà, dauphin du PSG. Brest, vous entendez bien, ils sont rarement dans leur vie footballistique montés au-dessus de la 7ème place. Ah ben oui, ouais. C'est une première pour eux. Ouais. Dauphin du PSG devant Nice, donc sur la 3ème marche du podium. Brest avec 40 points et l'OM qui reste stagne, on va dire, à la moitié du tableau. Mais c'est là où on doit être, hein. Il n'y a pas de secret, comme dirait le. Voilà, comme dirait plein de grands connaisseurs du football. 9ème, voilà, 9ème avec 30 points. Et encore une défaite. Donc à 10 points de Brest, le deuxième. Voilà. Et à quoi, 8 du troisième. Et oui, Lille est à 4ème avec 38 points. C'est que Monaco avec 38 points, 8 points de Monaco. 5ème. Ouais, 8 points du 4ème et 8 points du 3ème. Voilà. Et là, on attention, s'éloigne. Les joueurs, ils vont vers les supporters. Alors là, je peux vous dire que là, ouais, ils sont tous debout. On garde le direct. Les supporters de l'OM, on garde le très direct. Honnêtement, ils ne s'approchent pour le moment pas plus. Ils les applaudissent, mais je peux vous dire qu'à l'opposé, ils ne sont pas des applaudissements. Hein. Ah ouais. La tête est baissée, j'imagine, non? Ah non, mais là, ça y est. Puis ça y est, ils se retournent, les Marseillais rentrent au vestiaire. Ouais, en gros, les messages des supporters, c'est dégagez, vous êtes bidon. Voilà. En gros, c'est rentrez ça. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est ce qu'on peut comprendre. Ouais. Allez, c'est bon. Signe on de la main, Mbemba rentrez chez vous. Il y a un peu, il va, qu'on dogue bien un peu, mais ils restent à 20 mètres. Hein. Ils restent à 20 mètres et. Ouais. Gattuso, voilà, ils savent qu'il ne faut dépité. Pas y aller. Hein. Et tout le monde est résigné. Voilà, dresser le constat de ce soir, c'est rarement vu, ça, quand même. La diagonale pour les supporters, c'est le déplacement le plus loin. Faire Marseille-Brest et tout pour voir des joueurs se comporter comme ça.
Eh ben ma foi, encore sais une pas fois où ils ont pour celles et ceux qui nous rejoignent. Mais... Au-delà de la défaite, hein, c'est aussi le jeu que nous avons vu ce soir. Ah oui. Et l'envie très claire de jouer, c'est ça. C'est au-delà tout. De la défaite, on est bien d'accord, hein, ça peut arriver. Hein. Complètement. Non, mais c'est le comportement, c'est un tout, surtout dans la situation où l'OM se retrouve depuis quelques semaines. C'est-à-dire que l'OM est en crise depuis des semaines et des semaines. Et on ne voit pas une amélioration dans le comportement des joueurs. Alors moi, on peut perdre, on a le droit de perdre. On tombe contre une équipe de Brest qui est euphorique ou qui gagne. OK, il n'y a pas de souci. Tout lui réussit, oui. Mais dans le comportement... Ça a tout lui réussi. Il sortait de trois matchs nuls. Hein. Dans l'attitude, dans le comportement, on doit avoir des joueurs marseillais qui doivent avoir faim. Et ce soir, encore une fois, quand on se retrouve à 10 contre 11 Marseillais, on n'a pas vu cette fin-là. On a vu une équipe qui se contentait de ce match nul, qui se contentait de ce résultat sans vouloir aller chercher cette victoire. Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est ça, le plus dérangeant, bien sûr, ce soir. On reste encore connecté avec le stade Francis Leblé, Bruno Blonza. Exactement, ça y est, ils sont déjà rentrés, hein, les Marseillais. Au vestiaire, je vais en profiter pour vous faire de gros bisous parce que il y a que ça qui est positif. Quelle question avez-vous c'est envie de poser? C'est un minimum d'amour parce que le reste... Quelle question allez-vous poser à la conférence de presse tout à l'heure, sans que vous entendrez aussi dès demain matin dans la matinale d'info sur France Bleu Provence, Bruno? Qu'est-ce que vous avez envie de dire après ça? Que visons-nous? Quel est l'objectif de l'OM? Le tour du stade, c'est le héros, lui l'ancien Marseillais, avec sa casquette, l'entraîneur de cette équipe. Il peut être fier de cette équipe parce qu'il y a de la grinta, il y a de l'envie, il ne lâche jamais rien, les Bretons de Brest. Mais que veux-tu que je demande à Gattuso? Que veux-tu que je demande aux joueurs? Ça fait 10 mois que je leur pose les mêmes questions. 10 mois que je leur dis pourquoi vous ne bougez pas le cul? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir une frappe cadrée avec des Aubameyang, des Correa, des Ismaïl Assar, des Liman Ndiaye? Non, mais faut arrêter. Surtout qu'ils ont bien dit, ce n'est pas une question de mental, hein. Ils l'ont encore affirmé. Hein. Demain, on va voir 100% OM. Mais il va se passer des choses demain. Entre 18h et 19h, qu'allons-nous dire? Il y a un match qui arrive dans 4 jours contre le Shakhtar. Mais s'ils sont éliminés par le Shakhtar, soit les supporters ils mettent le feu au Vélodrome, soit ils désertent le Vélodrome jusqu'à mais la pire, fin de la saison. Bruno, soyons résolument pessimistes, excuse-moi, mais même si on passait en 8e, on va aller jusqu'où là? Tu crois qu'on arriverait même... Oui, mais c'est vrai. On n'arrivera jamais au quart, on le sait. C'est pas possible avec une équipe pareille. Exactement, à part à tomber sur une équipe comme Prague ou je ne sais quoi, avec qui il y aurait un petit peu plus de chances de passer. Mais encore faut-il se qualifier face au Shakhtar. Il y a eu 2-2 à l'aller. Pour ça la veut dynamique. Dire qu'il faut le gagner ce match. Pour la dynamique. Exactement. Par contre, grosse question, l'ambiance du Vélodrome jeudi soir. Moi, ça m'interpelle. Hein. Ça m'interpelle parce que là, ça va grogner, c'est évident. Mais c'est toujours pareil, mon Lolo. La vraie question, c'est que oui, là, ils en ont ras-le-bol pour ne pas dire autre chose de leur équipe, les supporters. Sauf que c'est un match de Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, ça a toujours un parfum particulier pour les supporters de l'OM. Et au Vélodrome, l'OM est invaincu cette saison. Et le problème, il est là, c'est un énorme paradoxe. C'est que cette équipe, elle n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur en Ligue 1, c'était à Lorient. Elle est incapable de prendre des points en déplacement. Là, ça fait 7 matchs de suite sans la moindre victoire. Perdre un 0 par-ci, un 0 par-là et tout. Et à un moment donné, ça gonfle tout le monde. Et en fait, ils sont fatalistes, les supporters. Ils se disent, c'est comme ça. Oui, mais enfin, Bruno, la saison prochaine. Il va bien se passer quelque chose, ne serait-ce que psychologiquement. On le sait très bien. Il y en a un qui est sur la touche et sur un siège éjectable. Voilà. Et obligatoirement, il va se passer quelque chose en ce début de semaine, Bruno. Ben, je ne sais pas. Très honnêtement, c'est compliqué. Ou jeudi soir, c'est vrai. C'est compliqué de lire tout ça. Est-ce que Longoria peut changer d'entraîneur? Moi, je n'en suis pas certain. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions, bien évidemment. Et on vous interroge demain dans le 100%. Et vous aurez les réponses. Voilà. Et appelez-nous demain, participez. Et si vous avez de la rage, eh bien dites-le en direct à la radio. Demain, dites tout ce que vous pensez. Voilà, ce sera en direct, ce sera dit. Et on vous invite bien sûr à réagir entre 18h et 19h pour le débrief de ce match que nous allons tâcher de faire demain, bien sûr.
sûr, comme toujours, sur France Bleu Provence, tous les soirs, le 100% OM. Bruno Blanza va regagner la zone mix, la conférence de presse. Évidemment, on a hâte de découvrir tout cela dès demain matin. On va remercier donc Bruno et un bon retour en diagonale, donc, pour son retour à Marseille. Bisous. Salut, à demain, Bruno. Des bisous, bye bye. Oh là là là, se quitter comme ça, mais franchement, là, c'est pas mal dormir. Hein. Encore une fois. Je me mets encore à votre place. Je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui pensent la même chose. Voilà, on est énervé à l'heure du sommeil. Là, bientôt, pour reprendre le boulot demain. On a passé un week-end magnifique chez nous en Provence avec un magnifique ciel bleu. On imaginait un petit peu de blanc, du bleu et du blanc. Bye. Salut à toi. Pour briller donc, avec l'Olympique de Marseille, ben non. Il faut croire que non, ça ne nous réussit pas cette saison. Merci beaucoup Fabien Laurenti. Merci mon Lolo. Demain tu seras là peut-être aussi. Oui, demain je serai là. Ouais. Pour le débrief du 100% OM avec toute l'équipe toute la semaine. Et puis je rappelle qu'il y aura toujours les places en jeu pour jeudi soir. Merci de tous vos appels dans le concours des pronostics. Évidemment la nette victoire de l'OM, enfin nette victoire était d'un 2-1 affiché ce soir. Beaucoup de matchs nuls, on fait les comptes tout ça. Et puis si on vous appelle pour vous faire que à 18h40 donc cette semaine, et ce sera donc mercredi soir, il faut bien sûr crier allez l'OM en direct sur l'antenne. Je sais, c'est pas évident en ce moment, mais ça vous permettrait d'aller au Vélodrome. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir écoutés. Il est 22h45, France Bleu Provence, le retour en musique dans un court instant. 100% OM, 100% OM sur francebleu.fr. France Bleu Provence, 11h, Cédric Frémy. Cette semaine, en participant à votre quiz 100% Provence, vous tentez de gagner un séjour de rêve. Vous voyez le vieux village perché de Bormes-les-Mimosas. Bien, tout en haut, il y a un grand hôtel récemment rénové, avec la vue à couper le souffle sur les îles d'Hyères, la terrasse panoramique, les mimosas en fleurs. Eh bien, vous allez y séjourner.